parole à palais.com. Merci, merci. Nous excusons auprès de l'auditoire mondial Moment Vérité. Bon, nous comprenons ça en matière politique. Les nerfs, le plus souvent, sont à fleur de peau. D'autant plus que nous avons une conjoncture électorale. Chaque monde gagne un secteur payo, camp payo, que vous croyez là-dedans, que vous venez défendre. Donc nous comprenons que, bon, même la gâte d'un modé, bon, nous comprenons ça que ça arrive là. Le calme est revenu et nous avons retourné dans le débat. Et acteurs ont accepté de faire preuve d'une certaine modération par respect pour le public là, qui attendait. Et nous avons retourné côté NTIE peu avant. Et Kafouya là, donc n'a pas retourné dans la question interpellation. Autour de table de 2 minutes par intervention, sous question interpellation et toute parole qui entoure elle. Et n'a pas commencé avec Réginald Delva, on prend ce microphone. Et bon, comme ancien ministre de l'Intérieur, tout de suite après, on a fait tour de table justement. Le calme est revenu. Merci de votre compréhension. Réginald Delva. Merci Peggy, quand même qui me croit que vous jouez le rôle modérateur à tout, qui permet que l'émission reprenne. Et me félicite pour ça. En fait, par rapport avec questions et interpellations, et moi-même, quand même, en tant qu'ancien ministre intérieur, et sous m'a gardé plus ou moins approche, réponse qui t'a faite par rapport avec questions et matchoua. Et en pile émotion, effectivement, mais un seul barème toujours dit, et c'est que tout fait avancer doit être prouvé. Dans la mesure où et sénateur interpellateur t'es semblé qu'il y ait des arguments valables et entendez tout réaction ministre intérieur et sur plusieurs stations de radio et qui montrait quand même que il était gagné plus ou moins contrôle situation, mais il n'est pas étonnant parce que son catastrophe naturelle qui frappait pays là, on croit que nous déplorer quand même que et nous pas gain occasion entendez et on débat qui t'a capable de faire en dedans et parlement. Et c'est pas que nous-mêmes nous pensons que et sénateur interpellateur a gain raison ou bien ministre intérieur a gain raison, mais n'empêche que nous raté quand même un moment pour que nous te connaît effectivement est-ce qu'il y avait quand même matière dans la mesure où sénateur était paraît armé de arguments que était gagné et l'un des ministres là après c'est presque dans comme dans journal là chaque monde a parlé sur plusieurs stations radio au lieu était choisi espace justement parlement pour que débat était fait pour que argument était capable présenter et le ça opinion publique là particulièrement monde grandance monde et grand sud qui touchait monde et nip et monde dans l'ouest tout qui touchait t'as capable garder vraiment qui est qui pour population qui ça fait que aide là pas arriver ou bien si aide là pas arriver vrai malheureusement nous pas weli nous voit que c'est plus des réactions qu'elle fait justement dans télévision alors que on débat et à la radio pardon également on débat t'as capable permettre que nous mieux cerner question pour pas paraître tant coup c'est une cap shooter sur l'autre nous même tout nous de vivre et sénateur et Annick, ancien sénateur Annick et Joseph et actuellement ministre intérieur et jodi à la Toli même le sénateur il était qu'on fait des avancées il était venu avec des dossiers que peut-être encore une fois c'est malheureux pas de gagner il pas quand même capable éprouver fait que le t'a avancé jodi à il est quand même de l'autre côté de la barrière côté que jodi à il qu'à comprendre justement nous même tout en tant que ancien ministre intérieur le que flèche ça t'a voyé souvent pas de fondement mais espace débat parlement permettre que nous t'es capable analyser le mieux et garder qui est vraiment qui sous bluff qui est capable utiliser exploiter argument machoua pendant que population en lui-même la tente aide l'arrivée joigne est-ce que l'arrivée d'après quand même et le maire yo a parlé ou senti que yo livré à yo même le ministre intérieur a parlé il montre clairement même au niveau de distribution yo c'est maire yo qui signe donc là gon confusion et nous craignons que ça pas pral mener justement un dérapage du côté de la population jeune où elle fait dans plusieurs points côté que aide là pratiquement li gaspiller li piller etc monde qui besoin pas joindre effectivement donc tout goumen qu'a fait là même j'ai nous souffri nous même auditeurs souffri de quand même un petit peu de dérapage qui te gagne là c'est même bagaille ça veut dire sous prend échantillon ça qui passé là c'est exactement ça qui a passé population monde qui besoin tendre l'autre monde qui besoin quand même continuer réflexion yo pas même joindre chance pour yo faire donc c'est là encore une fois il faut que esprit au calme, il faut que nous connaissions que nous-mêmes, nous, et fort heureusement, nous qu'à manger, nous qu'à boire, et qu'à nous pas couler, mais ça permet que nous emmenons mieux pour nous pencher à justement l'autre qui besoin de là, l'autre qui besoin de boire, l'autre qui besoin de là, et l'autre qui besoin de soins santé, l'autre qui besoin quand même au minimum pour que le cas continue et exister. Mm-hmm.
Bien, alors, sénateur, alors, ministre Annick François-Joseph expliquait que il y a 68 à 69 000 monde qui ont évacué. Et monsieur parlait de, depuis juillet, il y a 2 millions de gouttes dans chaque délégation qui étaient disponibles en prévision à passage cyclone Mathieu. Sauf que monsieur dit que décaissement, responsable délégation, délégué pas de Karanik Fell, c'est décaissement sur réquisition. Mais son interpellation, monsieur profité, fait la leçon en parlementaire, qui utilisait le terme par jour, là. Monsieur rappelait que par jour, c'est l'homme qui menti sous serment. Et monsieur dit que l'IPATE dit pas que militaire dominicain, il n'est pas au courant que gagne, etc. Bref, en tout cas, et sénateur Rivaud, comment au niveau PHTK, nous avons question ça. Et congestion très regrettable de l'aide aux sinistrés. C'est le diagnostic que ça nous sommes capables de faire. Parce que chaîne pour que aide la sortie au niveau central, pour la joindre, compatriotes nous qui sont dans le grand sud là, qui cruellement dans le besoin, cette chaîne n'a pas existé. Ou après que du ministère de l'Intérieur pour arriver à sinistrer, souvent les maires, les Kazakh ont été exclus de cette histoire, de cette question. Ils ont coursicuité. Et puis parfois, les maires, les Kazakh, ils sont regardés avec un certain dédain par ceux qui, au niveau central, t'as doué quand même des collaborateurs. Régis a été ancien ministre de l'Intérieur. M'a croit que c'est comme ça, ou des comptes fonctionnaires Régis. Mais force est de constater que, généralement, Kazakh, autorités locales, les maires dans certaines communes, souvent, ils ont des gens exclus des grands débats autour de ce genre de dossier. C'est-à-dire que même au niveau de la protection civile, ils ont sorte d'indifférence, voire mépris, vis-à-vis de certaines mairies, vis-à-vis de certains Kazakh. Sa conséquence dramatique de cette histoire, ou vin joine que sinistré, monde qui en difficulté réellement, aux confins du pays, à l'arrière-pays, dans les sections communales, dans les habitations, côté que gain même problème de communication routière, eh bien malheureusement ils sont livrés à eux-mêmes, ils souffrent et ils sont en train de crever. Moment. Maintenant, à cause de cette cacophonie entre les protagonistes qui t'a démontré à la hauteur de cette mission, de cette tâche, il est tout à fait normal que la société civile dont nous faisons partie, il est tout à fait normal que le Parlement, le Sénat, ait demandé des comptes, des explications. Il a questionné le principal concerné, qui est le ministre de l'Intérieur. Est-ce que tu as arrivé jusqu'à l'interpellation? Je ne sais pas. Peut-être pas. Il était capable d'arriver là. Mais c'est normal pour Yotaka dit, vu des ordres, des organisations et le grand bazar qui règne autour de cette question, de cette histoire, c'est normal que vous demandez pour 10 ministres, comment fait que Gemoun cap crevé et puis gagner et des produits alimentaires qui a pourri? Non, c'est le dépôt dans le pays ça. Comment fait que un paquet d'aide qui vini en matière, par exemple, d'assistance pour que moun yo capable, et en attendant parer la pluie, m'a dit soleil, mais parer la pluie, comment fait que tout le sang été serré en côté? Comment fait que vous pas distribué? Bref, pourquoi cette désorganisation? Pourquoi ce grand bazar dans la question de distribution de l'aide à nos compatriotes qui, aujourd'hui, pratiquement dans une sorte de situation de détresse. L'autre bagage que m'a dit, c'est que, donc, c'est tout à fait normal, Peggy. M'a contre sous-tend des aspects ça qui sont fondamentaux. Explication nécessaire, lui-même indispensable. Questionnement autorité centrale, c'est un dossier qui, à l'ordre du jour, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de arriver dans l'interpellation. J'ai bien dit peut-être. Ou du moins, est-ce que ça aurait dû cibler un ministre ou l'ensemble du gouvernement? C'est tout le gouvernement. À la mesure aux questions transversales. Ça, c'est... Si un pont qui est effondré, qui fait que aide qui vivait dans la commune n'a pas qu'à aller dans la section communale là, ou d'avoir dit construction pont, c'est travaux publics. Si un choléra qui est en pleine recrudescence, ça semble santé publique. En tout cas, est-ce que... Donc c'est toute chaîne là, c'est Sando, c'est toute chaîne là que tu as dû questionner à cause de cacophonie qui existait. Maintenant, on me dit que Mbakouel a besoin d'arriver pour moi, même oui, personnellement, mais je ne suis pas au Parlement, je ne suis pas au Sénat pour l'instant. Donc, c'est le sénateur qui a décidé, et d'ailleurs, je pensais qu'avant même que tu aies de gagner interpellation, il aurait dû avoir une convocation, d'accord, ou inviter
ministre vient poser question. Plus quoi que interpellation t'es participé surtout et dans décision spectaculaire. Spectaculaire pour que il vienne au cœur et des débats au cœur de l'actualité. Effectivement, après que même dans le moment vérité, on va parler de ça, je veux dire, puisqu'elle t'a participé. Et finalement, la montagne a accouché d'une souris très maigre, très chétive, puisque pas gain interpellation, et n'était presque à 90% qu'on est par gain interpellation. Cependant, bon bagage que moi-même, je veux qu'au final, ici en Haïti, une bonne fois pour toutes, cette question de tomber, de patauger, de nager dans la fange des accusations gratuites. Je suis en train d'intervenir sur quelque chose de très sérieux. Insignifiantes. Je suis très sérieux. Pour qui ça me dit ça? C'est une question de l'argent qui aurait été distribué avant de réagir. Il faut prendre le temps d'écouter. Oui, c'est ça. Donc, mais faites la prévention. N'anticipons pas. Que t'es bien l'argent qui baille sénateur, ça c'est l'exercice, le sport. Il y en a un sport favori dans certaines franges de cette société. Moi, je dis que ça doit cesser. Parce que nous puis exceller dans cette pratique de vouloir dénigrer et de détruire l'autre que de créer cette harmonie, cette symbiose, cette osmose dont nous avons si grand besoin dans ce pays aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Cette affaire de 3 millions de gouttes qui, soi-disant, auraient été données à des sénateurs pour faire foirer la séance d'interpellation. Où direz-vous en tant que sénateur, en tant que citoyen, en tant qu'homme lucide, intellectuel, lucide, tout bonnement, m'a dit je ne vais pas rentrer là. Je ne vais pas rentrer là parce que je suis passé par là. D'autres sont avant moi sont passés par là. Toujours qu'on sorte de précipitation, ont certaines tendances maladives, pathologiques, pour dire que, et bien sûr, il y a tel monde qui recevra l'argent, et puis il va regarder, ouais, maintenant, pas te gagner l'argent, tu recevras. Donc, faisons attention à ce genre d'histoire, parce que il y a des bagages qui autrement plus sérieux. Pour nous débattre en société, hein, que ces attaques gratuites et puis et fantaisistes qui parlent et mensongères. Okay. Donc c'est ma position autour de cette question. Bien. Et monsieur le représentant de la paix, disons de monsieur Henri Lio. Coalition plutôt. Donc nous payons à constater que l'équipe gouvernementale là rentre dans Santa Caille en grande improvisation. Et on dirait c'est le lendemain de l'indépendance. Tout le monde aux abois. C'est ça. Premier ministre, pas jamais dit un mot. Jusqu'à présent. Ils gagnent ensemble de chiffres. Des ministres, des secrétaires d'État capables. C'est du bail tête chargée. Des nègres qui vont être même déplacés. Qui ont parlé de ensemble de chiffres. Équipe gouvernementale là rentre dans une démarche pour proposer à ensemble des partenariats Santa Carole cadre de référence comment pour être là, comment pour recevoir, comment pour partager les. Et équipe gouvernementale là après le passé plus d'une semaine dans défini cadre de référence là. Sans pas jamais d'explication à la société là. Alors que mon abdomen en cave est là-bas. Il y a des rencontres des ministres qui fait sous question, nous tout a improvisé. Nous pas connaître à qui pas pour commencer. Alors que l'État, dans la composante, li, et tu as dit, bien Kazekio, Merio, qui c'est partenaire privilégié, couloir privilégié pour permettre à ce que ensemble de EDSA va canaliser vers le monde qui est démuni. Mais ça pas fait. Troisième élément, c'est attitude du ensemble des ministres. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Et donc, il y a des attitudes. Par rapport à la question dominicaine, non? Mais d'abord, par rapport à la crise même et par rapport à la question dominicaine. Donc, pour moi, parce que il y a des attitudes qui sont anormales pour le monde qui dirige au plus haut niveau, si comme ça, pour l'État comporté. Donc, au PACA, c'est vrai, nous toujours dit que l'État sont l'État pompier. Et Mathieu montrait à clair que nous pibaquons en l'État pompier. Parce que c'est, il y a un mot,
c'est un ensemble de brasseurs d'affaires qui seulement a pérennisé tête dans une position de, pour gagner des avantages économiques et politiques et sociaux sans y pas adresser aucun problème sérieux moment, vérité. Que pays a tout bon vrai à confronter. À mon avis, je ne vais pas faire discussion. Est-ce que c'est une interpellation ou du moins une convocation? D'abord, Sénat, s'il t'a posé pour le monde pour interpeller, c'est le Premier ministre. Parce qu'il montrait qu'il est inefficient et inefficace dans la gestion de la crise. Il va exister. Oui, c'est vrai. Il n'est pas. PM n'a pas. Bon, par contre, il ne vient pas. Non, il n'existe pas. Mes amis. L'intellectuel. Oui, comment il expliquait? PM n'a au moins 20 ans dans le palais national. PM n'a 20 ans dans le palais national. C'est-à-dire, il a été toujours quelqu'un de modéré, d'effacer. Mais non. Je ne vais pas réduire chaque jour. Je ne vais pas réduire tête ou à simplement secrétaire et d'équipe qui prend note. Lorsque, ou au plus haut niveau, non, naturellement, il n'est pas fougueux. Monsieur, tout simplement, pas un monde qui est fougueux, qui est devant la scène. Le PM n'est pas à sa place. Ça, c'est le premier élément. Immobilisme. Oui, et total, j'ajoute. Donc, ministre de l'Intérieur, donc, par rapport à la structure qui fait gestion pour des désastres, par rapport à la mairie, par rapport à Kazan, que nous dit tout à l'heure, qui au moins vient 10 ans, rôle réel pour être cajoué ou pas cajoué, parce que c'est on y a passé, il y a pu recevoir. Donc, ministre de l'Intérieur, tu dois montrer il plus efficace, il plus présent dans le dossier. Ça, on c'est. Taillé.com. Le troisième élément, c'est rapport. Je ne vais pas le monter comme sénateur. C'est pour être candidat au Sénat, mais je ne suis pas sénateur. Et. Un parlement a fonctionné. Il y a une majorité parlementaire qui à la cause de l'exécutif qui pourrait pour permettre à ce qu'il assume toute démarche, toute action gouvernementale là. Et parallèlement de l'autre côté, c'est minoritaire qui gagne un rôle de contrôle en dans sa exécutif la paix. Moment. Malheureusement, il y a été tout. Et c'est ça, ma répète un mot, Oudidi. C'est peut-être une sorte de védétariat. Yo a monté en pompe pour permettre à ce que c'est yo qui parlait, c'est yo qui présente. Pour faire qu'on a parlé de ça, je dis. Oui. Alors, que yo était capable de faire mieux et bien, et en adressant d'une façon rationnelle, et pour les désastres là. Et question pour les désastres là. Donc, à partir de ce moment, est-ce que c'est interpellation ou et convocation? Ça revient au même. Parce que c'est presque le même scénario qui t'a pas le fait. Étant donné que besoin pressant que mon cap domine un cavio gagne, sénateur yo, pas gagne li. Moment, okay? Vérité. C'est-à-dire, c'est là pour nous poser un jeu. Il a posé problème en jeu réélection, il a posé un jeu groupe paillot. Mais ils n'ont pas adressé les questions en façon rationnelle. On dit que nous, c'est les dirigeants de l'État, nous avons la responsabilité. Bien, merci. On peut et on doit le faire. On vient avec député Tatout. Alors, comme moi, tendance sous un pile station sœur, par rapport à la gravité situation dans plusieurs communes dans le département par là, nord-ouest, comment est-ce que question d'interpellation et façon de finir, qui lecture? Bon. Et puis, interpellation et expérience parlementaire, moi, tu fais me comprendre, les pas pour juste. Parce que tout simplement, pour les gens qui ont chance député, pas ces députés sénateurs, Gomba Gayo d'accord sur lui que le Parlement, c'est 100% politique. 100% politique. Donc, moi-même, je fais un coup de pied en bas. Pour me vérifier, ça me coin, ça me saute vivre. L'homme rivé, t'es un doute qui vient plus pousser le m'apprendre, ou à permettre moi et souhaiter condoléances à sénateur Richer. Et c'est en bas, je viens apprendre que les gons seuls, et qui le perdu, les mouilles. Emporté par les eaux?
Non, moi, je viens jouer dans l'autre bagarre encore. Vous comprenez ça, me dit là, oui. Et c'était même joie en termes de ta fête. Bon, ça veut dire, de connaître que politiquement, il n'est pas là pour ici. Mais on l'autre bagarre. Moi, je prends l'argent, je ne vais pas prêter sous bagarre comme ça. Sénateur, 3 millions de gouttes, son bail pour mon oui. 3 millions de gouttes, sénateur, on pile. On prend un cabouche à tout quand même. C'est cabouche à tout. Écoute, qui tout, écoutez. C'est 3 millions de gouttes liées. 3 millions de gouttes liées. Alors, si la construit pays tout, mais il y a des chiffres, faut que nous pas qu'à faire nous paix. Non, c'est 2016 quand même. Il y a des chiffres. Haïti, mon. Écoutez. Ah non, en tout cas, on nous parle de ça parce que moi-même, si ma pour seconde, moi, je prends le département nord-ouest là parce que tout ça là. Parce que le département n'est pas facile. Moi, je passe. Surtout, l'idée de perdre du match parce que c'est pas lui-même qui peut frapper. Bon. Premier ministre là tout, pas de cas permettre lui, c'est tout sénateur, tout député qui mettez, et surtout le monde qu'on est, lui pas de cas permettre lui tout, pour il te dit, dans le cas ça, nord-ouest frappé, c'est premier ministre, avec nord-ouest, bon, bout et tout bagaille dans nord-ouest. Il pas de cas faire tout. Et le monde qu'on est, pas entrer là-dedans. Mais bon, maintenant, on va parler de ça. Parce que moi-même, ouagan prend bombarde. Moi-même, c'est un monde qui vive de tout ça qui a passé là. C'est bon, bad mouette. Ouagan commencé, frappé, rivé sous bon bad BDN, m'a parlé de 1h30, 2h. M'a dit 4. C'était fait bon bad. Et jusqu'à ce que le 7h du matin, 7h du matin, m'a checké l'heure. C'est l'heure ça, monde qui a commencé à mettre tête dehors. À 10h, je commence à relayer toute radio pour le prince. Pour m'a dit, mais ça qui passe. Et je fais 3 jours, c'est ça m'a fait. Mais le m'entre pour le prince, pour me quitter, bombarde, c'est une difficulté. C'est dans le jardin, la nuit, on s'est eu de 10 jeunes garçons, montrer mon côté, m'basse pour me tomber dans la belle. Le m'entre pour le prince, je fais une semaine, je fais seul bagage. Je regarde toute télévision. Nord-Ouest, Chiré, nord-ouest perd du bataille, pas gon grande image. On parle de ouragan qui frappe nord-ouest, pas gon image dans la télévision, pas gon image. Le sang encore me fait le devoir pour me prendre chaîne télévision, pour m'entrer BDN après une semaine, pour me commencer à filmer. Et me tomber Jean-Abel, pour me faire petit passer bassin bleu, troisième section, et puis m'entrer ici. Parce que dimanche soir, il faut que je m'entre là. Ah, monsieur. Maintenant, qui ça vient là? Pendant moi-même, ou bien tout le nord-ouest, après là, moi, et permettez-moi encore féliciter le sénateur Beauplan, comme tu viens d'apprendre, et moi, les tout BDN, parce que pas de question pour t'entrer BDN du tout, pas de aucune condition pour t'entrer BDN. Parce que chaque fois, on dit ça, on va comprendre. Au cas du nord-ouest, c'est après Gourmand, on va pas entrer. Bassin bleu, comme tu et député, c'est porte d'entrée. Même Jean Tout, ou gen doit tout, BDN, c'est porte d'entrée, ou sorti. Parce que si vous parlez d'entrée nord-ouest, tout n'est pas nord-ouest, yo, tout passe par pense rouge, vous entrez dans le département là, Gayo. Moment, vérité. Donc, ça veut dire que l'on pas rentrer BDN, ou pas rentrer ma rouge, ou pas rentrer Mal Saint-Nicolas, ou pas rentrer Bombad. Bon, Jean Abel, gen doit passer par porte de paix. Donc, ça veut dire, ouais, combien de temps on fait, combien de jours on fait plus d'une semaine, zone ça, machine pas rentrer du tout. Bon, c'est là ça m'apprenne, sénateur Beauplan, bon, équipe, Jean-Loup, là, le fait août. Jusqu'à présent, c'est pas août. Où bon tronçon qui passait en Sous-Rouge pour entrer par Marouge, pour entrer Mal Saint-Nicolas, ça allait même, où qu'on s'était, Batulier, et c'est pas une bonne route, ça allait pas rentrer là-dedans du tout. Je dis, après inondation que se fait, et dans nord-ouest là, particulièrement BDN, côté où il y a pile monde qui mourit, c'est paradis. Ou pas, côté m'a parlé là,
même t'as discuté pour utiliser machine si ou pour entrer BDN à Gombad pour côté bagaille, y'a pas de jambes d'adem. Ne dis pas utiliser machine si ou, hein, pas voyer un yen BDN Gombad pour de paix. Intervention à faire rapide, pas voyer un yen de vous voyer pour de paix, pas privé même. Donc soit voyer, soit font intervention rapide, utilisez machine si ou, passez directement par en souge. Bon, attendez, parce que gen gou intérêt tout. Parce que délégué a gen moun ki nan pouvoir qu'on y a qui goumen pour bagaille l'entrepôt de paix parce que gen élection. Yo pa l'utiliser yo pour yo ka di c'est yo k vouel. Mais heureusement. Mère BDN nan dou itan de délégué après l'el pour vin chercher bagaille pour de paix. Bon comment il va venir avec? C'est lui pour la machine. Qui coule machine nan pral passer? C'est lui pour payer. Il gon paquet moun grand gous qui sinistre nan men. Li même tout, li sont sinistrés. À qui l'argent pour le servir lui-même pour le. Pour l'arrivée pour de paix, la paix motocyclette presque $200. 1000 gouttes. Donc ça veut dire que. Mais la situation, département PAM, qui est le département nord-ouest, y est. Et ceci actuellement. Parce que côté ma parlé là, gros machine pas qu'à entrer, Jean-Abel. Gros machine pas qu'à entrer, ma rouge. Pour le tarif de Mont-Saint-Nicolas. Gros machine pas qu'à passer BDN. Côté ma parlé là, qu'on y a là. Donc c'est gros machine pas rentrer. C'est motocyclette seulement. Motocyclette qui est en montée pour ce Jean-Abel pour arriver port de paix. Motocyclette montée parce que non seulement motocyclette, faut nous marcher à pied de côté, c'est porter au côté motocyclette so. Pour passer par souge. Machine pas capable parce que pas gain route. Après inondation, hein. Pas gain route. Là il dit que route Jean-Abel là qui était en forme pour ce port de paix pour entrer et Jean-Abel, il coupait. Et que plusieurs côtés, Négro dit que c'est une jeep organisation, l'école quand même, machine doublée. Donc, je pense que c'est ça la question. Et chaque fois que je parle de Nord-Ouest, nous, toutes là, de qui ça m'a parlé, je parle en département, personne pas jamais moins l'avant. Pour aider au rivière côte mounion, qui j'en veux passer là, pas qui moi. Bon, qu'on y a là. Si on a volonté pour y arriver, côté n'a parlé là, rapide, c'est hélicoptère. Rapide, oui. Comme si avion te qu'on descend Mont-Saint-Nicolas, faut tout garder pour aller, est-ce que, ou bien utiliser bateau? Parce que là, Mont-Saint-Nicolas, même si vous utilisez bateau, bon, là, il Mont-Saint-Nicolas, faut deux jeunes machines pour descendre vers Jean-Abel. En tronçon qui sortit, ma rouge pour descendre Jean-Abel, là, frérot, l'y attaqué. Donc, ça veut dire, et maintenant, quelles conditions département nord-ouest là, c'est à utiliser bateau pour arriver port de paix, ou bien, Mol Saint-Nicolas. Donc, après ça, c'est rapide pour faire un bagage hélicoptère. Mais si vous ne faites pas tout, puis gros bagage là, si la nature fait nous. Donc, si la nature bonne nous bénédiction. Mais écoutez, nous avons besoin de la pluie pour nous manger. Mais qu'on y a demandé pour la pluie va tomber. C'est un bagage grave, la parler là. Donc, il faut qu'on y a temps pour camper. Et puis, rapide, mais vraiment rapide, pour une intervention qui fait deux façons. Une intervention qui fait sous route Jean-Abel Port de Paix pour prendre ma rouge et puis une intervention faite sous BDN en rouge rapide, ça c'est notre beau planté comment c'est fait et puis pour nous si nous avons bagaille c'est que mais même si le fait rappelez-moi dit ou pas qu'à utiliser machine 10 ou pour entrer BDN c'est machine 6 ou et des bonnes béton qui existe et qui permettent machine passer, hein? Machine pas qu'à croiser, non? Passer, l'aller. Ça veut dire, faut gon bon bagay sérieux, un bon petit cob qui mette pour aller sauver moun BDN Bombad et Mont-Saint-Nicolas. Parce que l'on moun dans la ville Mont-Saint-Nicolas, c'est BDN la passe. Mais s'il poil ma rouge, il passe par un souge et puis. Les moutons, ils tombent ma rouge. Donc voilà, mes questions de département nord-ouest là, nous ne parlons pas de l'agriculture, et parce que moi, je fais tout le temps, on a parlé de BDN, il y a critiqué BDN côté gangou. Est-ce que nous connaissons que entre BDN, entre Ansouge, qui c'est la Tibonite, entre Bombard, entre Mont-Saint-Nicolas, c'est BDN qui a un système d'irrigation fiable. Plus de 150 carotères en banane. Ça veut dire que c'est BDN qui baille zone ça à manger.
Beden mon a parlé qui c'est si même c'est pas une route pour entrer à manger ça au Port-au-Prince les m'a gagné non ben ça crase du bloc m'a pas donc détruit c'est grand dans détruit qu'on y a une pour inondation ça veut dire bon parce que j'ai l'impression son route l'offel Port de Paix faut prendre massage leur venir sur saute Port de Paix c'est ça le terrier qu'on y a le plus mal C'est ça. Question. Eh bien, merci, m'a même demandé est-ce que vous êtes sénateur, mon candidat au Sénat. Non, question. Nous pas l'entrée. Ouais, sur l'élection. Moi, je fais différence. Excusez-moi. Yeah. Moi, je fais différence entre un candidat et un militant. Mm-hmm. Très différent pour moi, une claire dans la tête. Mm-hmm. On a une élection tombée, puis mes candidat. Ou pas un côté de souti. Ou bien l'aile d'un chapeau. Mm-hmm. Il n'y a pas une formation politique. Il n'y a pas une formation en parti politique. Bon, ou même, l'aile entre un côté. Gangou a fait Mounio dit, faut qu'on bande notre temps, ça qu'arrive. Ils jouent jouette, ils jouent poker, son coup de poker lié, ils arrivent sénateur ou bien ils arrivent député, ils arrivent magistrat, et puis ou pral mandel pour le bon discipline. Ok, on était là. Oni Timothée, bon, j'ai l'impression que d'adouer tout, dit deux mots sous conjoncture électorale. Nous t'avons quitté l'interpellation en passé, oui, c'est non, d'autant plus que le bar il va représenter pas grand mélange. Non, il y a une limite, vraiment. Nous t'avons fait le Junpia de Gaulle. Non, et puis qu'on a là. Non, le soir t'as bien plus. Justement. Ok. Non, dis, j'ai extrapolé toi. Très bien. Alors, sur question d'interpellation, comment petite de Saline comprendre le ou choisir faire interpellation. Côté sénateur Moïse Jean-Charles. Il a. Monsieur là. Il a. L'a suivi nous là. Ok. Le, ou choisi faire interpellation, faut contrôler moyens politiques. Deuxièmement, est-ce que nous d'accord avec gestion moun qui en difficulté yo, et c'est ça qui permet d'interpellation. Ça qui veut moun dans le grand sud pays a tellement pouvoir mal gérer ça, ou pas venir joindre un pile candidat pour te tête aller, c'est yo sauveur. Vina chercher manger, mettez photo, mettez numéro, comme quoi que c'est eux-mêmes qui viennent prendre place l'État. Tellement institution nous. Ou alors tu entrer dans la question électorale là. Okay. Tellement institution nous. Donc tu perds de coups. Non, sans parenthèse. Bon, pendant que nous parlons vins sur les, nous obligeons de parenthèse. Et on parle vins jouer comme si des monde qui exploitait ça, parce que ministre intérieur, gouvernement, pas de responsabilité dans ce sens là. Mais on va venir dans l'autre bagaille tout. Est-ce que l'interpellation, c'est pour le ministre intérieur seulement, tu as supposé? Est-ce que c'est lui-même seulement qui t'a mal fait gestion? Pour le ministre, son acteur important lié dans la question d'interpellation. Parce que normalement, si vous avez mené un gouvernement, si le gouvernement n'a pas atterri, le premier monde qui t'a convoqué, c'est à vous-même. Mais comme nous, le monde qui fait l'interpellation, c'est presque la même équipe là. On dit c'est presque même avec PHTK et Ali Okfel. Là, nous venons comprendre, là, on l'autre gens. Ensuite, est-ce que Yannick, ce n'est pas un bagage personnel qui a réglé? Moi, je me compte, pas un bagage grand sud qui a réglé, pas un bagage monde qui est en souffrance qui a réglé, et pas un bagage tout, la Dominicanique qui a réglé. Mais pour le monde, d'accord, que son attribution du Parlement, contrôler l'action gouvernementale. C'est parce que nous d'accord ces attributions qui fait nous est-ce que vous avez contrôlé les moyens politiques d'abord avant de faire l'interpellation? C'est parce que nous reconnaissons ça dans le règlement interne du Parlement. Ok. Moi, je pense que Yannick fait une très mal gestion de ça. Et je pense que c'est le pouvoir en entier qui fait. Parce que nous connaissons, si vous avez entendu vous faire l'interpellation, vous avez presque 4 ou 5 ministres dans le pouvoir. Vous même tout perdu. Par contre, comment 4 la voie lui passer? Ensuite, je dis, si Yannick était présent, comment ça t'a fait? Je ne vais pas entrer dans la question de 3 millions de gouttes. Tu es en train de pile sur la table déjà. Ça, c'est qui t'a signé pour être sénateur de la République. Et en pile monde victime déjà, surtout dans la société haïtienne. Dans le voie montée, il y a un chiffre qu'on va gagner. Et je dis, moi, je pense que l'interpellation était mal tombée. Parce qu'il n'y a pas préparé pour ça. Et ensuite, on va lui joindre. Annick, oh, par contre, qui moyen politique l'utiliser quand même les balayer. Et je dis à là, qui ça doit faire dans la situation ça? Même pas c'est tout gouvernement qui t'a supposé sanctionner. C'est tout gouvernement qui t'a supposé sanctionner. Renvoyer? Ah, qui t'a supposé sanctionner? Pour les poser question, moun qui pour aller, moun qui pour rester. Et m'd'a regardé tout, question Yuria. On regarde bien pour eux. Annick, on compte. On règlement de compte longtemps avec sénateur Yuri là-dessus.
et garder pour une action ça Yuri la tosi c'est seul maestro c'est règlement compte ça fait tout pas rien de monde dans sud pas rien de tol pas rien de bois pas rien de monde qui mal dormi pas rien de la République dominicaine et qu'on a la bonne qui parler de la République dominicaine et puis gain des soldats américains des soldats français des soldats toute qualité nation là et puis c'est la dominicaine seulement indexée. Même pas ce problème là il va l'allier. Bah il fait plus parce que nous allons parler des questions élection. Bah c'est élection qui est important moi. Bah c'est lui même. M'a demandé est-ce que nous pas tout enchaîner avant sur question électorale là. Non, j'aime ta bien mais conclu la donne. Attends mais conclu. Bon invite la crème électorale pour conclure. Bon. Non mais je vais conclure. D'accord. On vient à Patrick alors évêque Villiers. C'est bien. Et pour nous même les gagnants une dimension théologique que faut souvent nous répéter, c'est un bouc émissaire. Bouc émissaire, c'est une histoire sous Moïse, comme les deux. On va parler de Moïse Jean-Charles? Non, le vrai Moïse. La mer rouge. Ah, le vrai Moïse Jean-Charles. Le vrai Moïse. De Saline, okay. De la Bible. Le vrai. Dis-lui. Et de Saline. Non? Vrai Moïse, hein? Le Moïse de la Bible, en tant que leader. Moïse pas dans bataille faux parce que c'est Jean-Jacques Moïse. C'est Jean-Jacques Moïse. Donc, et Moïse de la Bible, en tant que leader, qui a conduit un peuple sorti pour aller qui dans le désert, et quand il arrive dans un moment, il y a un problème. Problème pour le bail peuple manger, pour le bail l'eau, pour le bail ceci, pour le bail cela. Donc, meilleure façon. C'est la mer rouge, traverser la mer rouge. Exactement, meilleure façon pour délivrer le peuple ça, qui enchaîné d'ailleurs, c'est prendre un bouc, dit peuple là, c'est bouc là qui a un problème, non? C'est lui pour le péché, hein? Voyez dans le désert et suivre bouc là. Donc, c'est ça qui passe. Finalement, on joigne que c'est parlement. Parlementaire avec tout ministre qui est gagnant et que ces peuples-là perdu encore. Donc c'est ça que les boucs émissaires. Scapegoat. Deuxième et aspect qui gagne, c'est aspect que on t'a parlé matin avec Michel Souka lorsqu'il t'a parlé de Arthur Volel. Le dit attention, on me prend le soin pour me pas dire son prêtre, mais son pasteur. Monsieur Pasteur, parce que monsieur semblait que gagne une bonne formation en matière théologique. Et parce que Pasteur, il y a quatre dimensions, quatre rôles que le jouait. Moment. Pas même genre avec prêtre là. Prêtre là, lui-même, son monde, capitaine Bovine Saint-Ville. Pasteur lui-même, il sorti, il perte. Tout pour voir, il a le manger, il a le de l'eau. Est-ce que là, c'est pas parce qu'au protestant qu'il faut prendre ça? Non, c'est pas le protestantisme, c'est une dimension purement théologique. C'est-à-dire, tout le monde connaît que pasteur a quatre rôles qu'il jouait. En tant qu'enseignant, en tant qu'administrateur, en tant que il fait père, en tant que prédicateur. Mais le prêtre est un pasteur. Absolument. Dimension théologique, là. La dimension théologique, c'est ça, mais prêtre, là, il gagne dimension à ce que monde vienne servir. Et même dans l'Ancien Testament, pour qu'il soit monde doit servir, il y a même paraît avec une question. Et mon Dieu même dit que on doit travailler. Parce que nous pas trop décaler sur matière là. C'est ça. Il n'espère pas trouver Dieu ailleurs que partout. Oui. Donc, côté nous voulons, c'est que c'est juste pour nous entrer dans la question de l'élection. Donc, ce qui veut dire que. Et Peggy, que dimension entre. Pour vivre, pour faire mon servir et au même moment aller au service de mon nom, c'est deux choses différentes. Et c'est ça qui a passé tout au niveau de leader nous. C'est mon captain que peuple a le servir, mais au même, il n'y a pas de dimension pour servir au peuple. Moment, vérité. Il n'y a pas capable, il n'y a pas tout effort que vous faites, c'est pour vous conserver pouvoir. Tout effort que vous faites, c'est pour vous même paraître grand et que. Même si le peuple a diminué l'engrais, on a toutes sortes de malcité que lié, ça pas dit rien. Ok, pour vrai que y a toujours conservé même question de tenue, y a toujours un costume, c'est-à-dire que y a pas gagné une dimension de service. Donc c'est pas étonnant. Et l'un pour troisième point, c'est ça député a dit qui est étonné.
et 3 millions de gourdes sont pitance. Tandis que, il n'y a pas ouais que c'est pas mal pour yon bail, yon magistrat 300 000 gourdes pour le régler, pour le résoudre un problème, toute une population de 70 000 monde. Voilà le pays. 3 millions de gourdes pour un député à sénateur, c'est pas rien lié. Mais pour un peuple, il n'y a pas besoin de gagner même yon 50 béniches. Donc ce qui fait que c'est peuple, la dimension peuple, l'éducation qui vous faites, qui pour montrer que Jean de bagaille ça le paraître, son façon y a contourné un problème et que yon même pour yon capable aller toujours régner dans la position que yon y a. Bon, je dis rapidement que son constante dans tout ça, nous tant de la yo et dans toutes intervention qui fait, qui concerne gestion crise humanitaire post-Mathieu, hein? Son gestion qui est catastrophique. Tout le monde est d'accord sur ça. Nous-mêmes dans les Haïti, nous descendons sur le terrain, nous constatons ça. Cependant, moi je voulais comprendre que toute structure politique, pour une raison que je vais vous parler là, pas vraiment de légitimité pour critiquer sereinement gestion catastrophique ça. Et je vais le dire pour quelle raison. Lorsqu'on parti politique ou aspiré à prendre le pouvoir, pas de doute sur ça. C'est le rôle fondamental en parti politique, objectif exactement. Fondamental. Objectif premier parti politique. Pouvoir. La prise du pouvoir. Au service de la société. Enfin, au service de. Mais c'est pas le qu'on prend le pouvoir, Peggy, pour que vous preniez la mesure des enjeux, la mesure des problèmes, la mesure des problématiques. Faut-il bien que bien avant arriver dans l'espace convoité ou animer l'espace public là, avec un ensemble de propositions pour montrer capacité qu'on gagne pour que l'on arrive dans le pouvoir ou pas improviser. Moment, vérité. Une catastrophe passée de ce genre, majorité partis politiques a gesticulé à la radio et à la télé. Des partis politiques entrent dans la dynamique, distribuer sac du riz pépé par la population. Yon action ou yon ensemble d'action à fond roulant de campagne. Et puis maintenant, ces mêmes partis politiques yon estimé que yon gen assez de recul pour yon critiquer gestion calamiteuse. Ça qui passe avec Mathieu. Nous-mêmes, en Darémé Haïti, depuis premier jour, cyclone, t'es annoncé et t'es commencé à faire des dégâts. Nous t'es pris le temps qu'il faut pour nous lancer un appel à tout candidat à la présidence. Pour nous dire, en nous font-il sur soi, sur le momentum électoral, là, en nous mettre ressources humaines nous ensemble, ressources financières nous ensemble, tout ça que nous sommes capables de poter coller ensemble, de telle sorte que, avec autorité compétente, nous arrivons à joindre un modus operandi pour que nous arrivions à montrer capacité nous, pour nous accorder priorité d'abord à la vie de nos frères et de nos sœurs. Personne ne va écouter nous. Chaque monde entre dans ses affaires par nous. Chaque monde peut être sac de riz par nous. Chaque monde peut être sachet de l'eau qui a un numéro parti imprimé sous lui. Et ainsi de suite. Nous pas arrêter la Peggy. Nous venir avec 20 propositions pour nous dire, mais qui j'en nous croit. De manière technique, nous t'as supposé articuler gestion. Et en deux propositions, il y a une bagaille que nous avons priorisé, entre autres, c'est mise sur pied d'une task force interministérielle, de telle sorte que quoi de transmission, on a quatre bons rapports harmonieux entre l'État central et les collectivités territoriales, t'es arrivé exister. Elle est arrivée sous nous. Malheureusement, ça n'a pas arrivé fait. Gestion calamiteuse, mais maintenant, nous entrons dans la dynamique d'interpellation. Théoriquement, son prérogative parlementaire. Mais il faut que nous évitions le chantage là-dedans. Si interpellation entre dans la dynamique de contrôle strict de l'activité gouvernement, pour nous garder qui raison qui expliquait
que gestion en passé dans état calamiteux ça, on bat bravo pour lui. Mais s'il inscrit nos dynamiques de chantage qui pas gagné na ouais avec intérêt supérieur population, nous déplorons ça. Mais yon nan bagay ki fondamental pour nous dire. Nous gagnons cette fameuse magie pour nous détourner attention population de vrais enjeux. Nous rete quoi que même par rapport à interpellation, on va dire mieux propension. Même par rapport à interpellation, même par rapport à interpellation, toute structure politique responsable pour que nous en mesure pour nous faire critique par rapport à Jean Bagayou a marché dans moment, faudrait-il bien que préalablement nous te montrer capacité que nous gagnons pour nous prendre le recul qu'il faut pour nous proposer un kichoy. Et parmi l'ensemble des structures politiques, c'est uniquement Remé Haïti qui est entré dans la dynamique ça. Donc, le n'a pas les deux qui Jean post-Mathieu a supposé gérer, nous gagnons des références. Et c'est articulation ça que supposé gagner entre politique pure là et niveau de technicité là, qui supposé mettre population okay. à l'abri okay. de l'amateurisme. Mm-hmm. Merci, sénateur Chéri. Ça nous a constaté qu'a passé dans la gestion post-mature. Et la gestion post-mature a été de commencer avant Mathieu. Donc, action avant, oui. mm-hmm. pendant et après. Mm-hmm. Et bien, c'est même reflet de guerre ça, que le système n'a fait contre la population qui a supporté le pays. Pas aucun moment, les pouvoirs publics n'ont pas fait appel à la solidarité nationale. À aucun moment, il ne va mettre la population civile là dans la bataille. C'est une question d'État. C'est l'État qui peut diriger toute bagaille et c'est la guerre entre mon l'État contre mon l'État pour dire qui j'ai l'aide la passer. Député a attaqué, sénateur a attaqué et exécutif. Et ça qui gagne, ça qui gagne qui croyait qu'on doit appuyer exécutif, il a pris poster contre l'autre. Mais à aucun moment, il n'a pas dit qu'on va organiser le pays. Après les jeunes garçons dans le pays, qui sont dans une zone qui n'est pas frappée, pour aller aider, à faire brigade d'intervention pour aider les gens. Et pour identifier qui s'est pire aux gens. Qui s'est pire aux gens. Même si je marche dans le sud, dans la gradasse, dans l'enterrement, c'est le pasteur Richia. Et je me regarde, la pluie a tombé toujours. Paul n'a pas les points. La majorité de Kayo, même si je viens de trois fois, il pour qu'on couvre. Mouillé dans la pluie. Urgence là qu'on y a, c'est pas tôt là, c'est près là, pour tente, pour aider Mouillé à sortir en bas la pluie, pour dormir en bas la pluie. Il a parlé de l'école, tout le monde. Tout le monde qui a dormi en bas la pluie, qui n'a pas un rade pour le mettre. C'est tout à fait le Mouillé sur le parti, quand il parle de l'école. Donc, urgence là, c'est des bagailles, c'est manger, puisque pas de dépôt qui est là pour aider, manger tout de suite et puis près là. Après ça, il parle de l'autre équipe qui a venu avec des bagailles qui sont concrètes. Qui pour capable refaire tout le côté spatial, et puis pour reconstruction, et puis pour devoir agriculture. Mais ça, c'est des gens locaux qui vous baboulent, et c'est des gens bénévoles qui vous gagnent tout le temps pour faire ça. Mais le système de l'État a compté sur moyen parler, sur deux, trois enquêteurs en de la caille de quelqu'un et qui bien sûr ne peuvent pas motiver. Ils ont compté sur l'international. Là. Et quel, ça qui est imbécile, là, Gomba, il dit pas existé. Qui pas existé. L'autre des ministres intérieurs sont l'autre pouvoir l'État dit toute bagaille doit passer par magistrat sont gros menti. Magistrat c'est un tout. Magistrat comme coordonnateur, comme coordonnateur, il doit connaître tout ça débarqué dans communion, quel que soit groupe qui a distribué là, mais les groupes caritatifs, ils sont capables de venir avec l'aide dans le moment ça. Ils sont capables de gagner sous pas pour distribuer. Magistrat doit un gros coordonnateur pour connaître si tout ça qui arrive dans communion, allez. Pasteur Richie, non, discours l'a fait, mais dans éloge l'a fait pour seul. Sénateur Richie. Sénateur Richie. Eh bien, il dit, mais ça crivait dame Marie, une jeune fille, 18 ans, qui prend balle. Est-ce que ça t'est besoin fait dans la distribution? Et il rappelait, le hasel passé, il était à peine 7-8 ans, il sortit sous roi dame Marie, avec une petite aide. Dit oui, qu'elle mettait dans la chemise, il n'y a pas de gain, qu'un autre moyen pour le porter. Il courait juste la carrière de traverser toute dame Marie.
pour le porter parce que personne n'attaque elle. Tandis que le moment ça, en 2016, jeune garçon a attaqué l'autre pendant qu'il a fait distribution. Pour qui ça? Il posait question, pour qui ça? Est-ce que, il dit, autorité locale, élu, maire, tout le monde, est lui-même tout, comme s'il ne pas connaît tout le monde qui est dans une zone vulnérable, dans Dame Marie qui sont enflammés, par contre, tout le quartier qui frappe, et pour nous avoir un jeune garçon, pour porter aide là, la caïmoune, ça, ou même pour venir un peu dans la ligne, c'est parole, sénateur Richer, entièrement seul. Pour montrer comment la guerre, ça, le système n'a fait contre la société civile qui t'a de supporter, il existait même dans la gestion. Post et désastre. Donc, nous avons souhaité tout le monde réfléchisse sur ça. Toute activité, ça, yo étudié, les structures existaient, mais existaient de façon verticale. Sortina et Koun, Koud, Koul et Pagenkous. Pagen. Comité dans la section communale, là, t'as de gagner tout, il a été dans cool au niveau local. Donc, toute chaîne ça, il existait. Il a entraîné même quelquefois, parce que c'est un séminaire qui fait pour la profession civile. Mais pour la profession civile, là, tout, il a organisé un thème métatique et dans un thème de participation communautaire. Ok. Donc, tout ça a montré nous sur un chemin désastreux. Non. Bien, merci, sénateur Gilles. Oui, merci, sénateur Chéri. Mais au départ, je même pensé à dire que Jodian, c'est l'État qui doit faire appel au civisme, à la conscientisation de nous tous, chaque grain haïtien. Mais je crois que ce n'est pas mon civisme vraiment qui mérite là. C'est surtout ce Jodian. Moi même pensé c'est un appel à la solidarité entre tous haïtiens. Cette solidarité, hier, moi j'ai écrit soi, un gros rassemblement, n'a fait écrit soi. Et puis, un jeune garçon paraît, il dit, bon, sénateur, regardez-moi même. Nous sommes boss maçon et me dégagez tout l'encharpante. Côté mien là, je continue de job, oui. Mais si vous voyez dans le pays, madame, moi, pestel, je brale ma pote main. Même besoin, depuis l'État encadré, n'a pas construit pour moun yo. Or, où est l'État, ça vraiment? Il n'est pas structuré exactement, ça aurait les protection civile. Ça, on va expliquer là, sénateur Chiri. Et c'est approche ça, je crois que l'interpellation, elle vient tomber exactement par rapport, il faut nous reconnaître. Ou dit bien, Timothée, nous sentons l'interpellation, une approche purement politique et même politique régionaliste là-dedans. Nous, tout le monde sentit, Yuri, on continue conflit, tout parle, l'a réglé avec Père Annick Joseph. Sénateur Yuri Latortu avec Père Annick Joseph. Mais quand même, il faut nous comprendre qu'il y a une peur, il y a une méfiance. Peuple haïtien, même si vous avez une interpellation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais vous commencez à réfléchir. Bon, ça a fait vrai pour les gens. Et c'est parce que les gens songeaient, il y a eu quand même ce tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre qui volume l'argent qui fait. Qui volume neg ONG, tu as bien dit le mot, j'ai ma pression pile, monsieur Henry Lio, la première fois nous face à face dans le débat, laissez brasseurs d'affaires, tant locaux et internationaux à travers ONG, et à travers brasseurs d'affaires, qui l'ont l'état à tout, que neg yo griffio, sorti dehors, pour y'a fait même bagaille qui t'est passé dans le pays, hein, après tremblement de terre là. Histoire, ça m'a toujours comique en pile. La Croix-Rouge, soit britannique ou américaine, qui vini, on volume l'argent là, mais yo, et puis on fait sisticaille, et puis on allait. C'est brasseur d'affaires internationaux. Nous sentons ici, même ça, que population a une méfiance. Il y a une peur. Et face à la peur, là, il faut nous reconnaître du tout. Tu as bien dit, cette improvisation. On a eu la guerre là sous Doanik, mais dès le départ, Peggy l'a bien dit. Son approche multidisciplinaire, multidimensionnelle. Comme on voulait pour yon cas comme ça ou propose ou cibler rapidement un ministre intérieur. Oui, nous reconnaître. Alors, son ministre en bas, moi, même. Et, ou plein ministre en bas, moi, bah, senti, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, lui intéressé grandement par ça qui a passé là. D'attendre moins à ce que. En bon principe, ni intérieur, ni éducation nationale, ni santé publique. Ministre, ça yo pas dû rester Port-au-Prince dans le moment.
faut que vous ayez établi quartier général, la zone centrale, le sud, pour vous caille, pour vous gérer, pour vous contrôler qui gens vous même capoter avec équipe. Qui équipe? Sénateur Yvelt, chéri. Ministre Affaires Sociales, là, t'as dit, il a travaillé tout, oui. Non, ministre Affaires Sociales. Elle dit, tout le monde, ça, et travaux publics. Bon, moi, finalement. Non. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Concentration. Non, moi, je comprends. Ok, d'accord. Non, écoutez, écoutez, monsieur, 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 monsieur. Monsieur, nous t'ai parlé. Pas fait ça. Délégué pouvoir. Et tout à l'heure, c'est ça qui t'a mené bouillant. Chaque coup, c'est moins de parler, nous monter. Monsieur PHT Kayo, Réginal ou dit poser. Qu'est-ce que fini? Ah, non, mandé. Bon, ah, on va que tu savais qui. Donc, deux PHT Kayo. Laissez-moi dire, monsieur, monsieur, ça qui a passé là, Peggy, dans le début de l'émission, on m'entendait dire. Tremblement de terre a fait un pile dégât en termes de maisons qui détruit à travers le pays. Hein. Mais, vous faites approche pour l'avenir pays. Hein. C'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans, nous parlons de cap importance cyclone ça a gagné. Et ça fait, c'est bon, causer impact, oui, impact, conséquence. Impact, mm-hmm. Au point de vue, un, reconstruction de maison parfaite là. Après un mois, Mounioté de jouer au moins. Il y a un grand centre côté, tout le monde est capable d'abriter. Excusez-moi, la plus grande Nissan noire dehors. Non. Ok. Mais important. Gain sécurité alimentaire. M'appli, moi invite nous toutes là. Moi invite nous toutes là pour nous lire un article, un jeune économiste assez brillant. Je ne vais pas dire assez brillant, brillant. M'apprécie en pile, c'est Edzer Emile. C'est parce que c'est lui-même qui a dit, monsieur, il faut voir que pratiquement le Grand Sud lui contribue à 35% apport dans la production pour payer un joint côté pour le vivre. Vivre alimentaire, le moyen céréal que nous produit. Jodi, un cyclone, non, Fonwell, ministre de l'Agriculture, il grand pile. Bon, comme il n'existe pas de ministère de l'Agriculture en Haïti. Donc, moi, je crois que jodi, reconstruction de maison, hein, faut Annick Joseph, ministre, Père Annick, ministre intérieur. Faut ministre des travaux publics. Là. C'est vrai, monsieur. Faut ne pas affaiblir l'État. Mais le moment urgence que nous avons là, badou pour y aller chita, non? Mais concentration. Faut mobiliser des citoyens, des jeunes, tant dans Port-au-Prince, qu'au niveau de toutes nos zones, ça a côté de pas affecté, ou à joindre des mondes qui sont capables de contribuer à le permettre aux reconstruction de maisons. Mais qui discussion qui fait tout pour aspect agriculture, production? Je regarde un bagay qui fait un pile. L'emte jeune, l'emte rive pour au prince, l'emte rive pour au prince. Moun yote kon rime, yote kon dit, ah, nek tom tom yo, nek tom tom. Mais jodi, il faut nous admettre qui j'en l'arbre véritable, grand dans ce au Kaila. Li contribuer en pile sur les julam dans toute Port-au-Prince qu'on y a qui ont tout véritable ça a détruit moi même à cause de régime m'a fait m'a perdu du poids me qu'on prend platon tombe dans 2 fois par mois m'a négocier tombe tombe moi mais m'a posé tête mes questions moi sûr et certain dans 6 mois on platon tombe son bagage qui parle vraiment terrible au point de vue sécurité alimentaire famine pour pays d'Haïti bon moi t'es quoi interpellation ça à cause de approche moins politique un faut nous reconnaître monsieur n'a pas livré marchandise faut tout le monde admettre lui que Péanic tout respect bien pour Péanic me penser que c'est pas lui même seulement ou senti que gouvernement pas livré marchandise là pour te porter solidarité regardez BDN sans ouais Pierre Martin et sénateur tout a dit la dépêche, tout a dit là. Moi, j'ai traversé qu'un autre pour y aller acheter. Jusqu'à présent, situation là. Et pourtant, il y a un problème qui est débloqué. Nous connaissons un pile million qui passent là-bas. Nous connaissons en même temps tout l'État, ça. L'État, après, dit, c'est pour l'État service que nous avons. Brasseur d'affaires, tant qu'il n'a pas les nationales, qu'il a toute structure, l'État, faut un président privé mettre. Garçon sous lit, parce que nous devons reconnaître ça. Premier ministre mais il s'appelle Enex Jean-Charles, mon cher Erivo vient de le dire, tout le monde étonné de immobilisme. Bon, certaines léthargies, la Cali, nous demandons le secours. Mais est-ce que le pays, quand entre la logique interpellation,
qui prend encore une fois ralenti appareil l'État et qui te mounio la souffrance. Ou so dit Reginald Delva, je pense que jodi on profite de moment ça. Électoral là tout. Et il prend ralenti encore processus électoral là, on crée un espace de discussion sénateur, député et premier ministre pour baronner un certain push secouer nerio pour permettre solidarité nationale que Yvel Chéri t'a parlé à. Solidarité, ce civisme là, aimerait te quoi? Grand pile boss maçon, grand pile boss charpente, grand pile nèg qui lance coup qui l'en pas au prince, nous capables mobiliser toute énergie ça, énergie positive yo pour nous permettre que bien. Moun yo joue nos côtés puis arrêter aimerait dire encore, pas oublier l'état service là, c'est à travers tout élection pour ne pas quitter ça distrait nous tout et moi garanti c'est avec on l'état service on l'état qui qu'on habitué construire belle caille pour moun yo qui qu'on qui croit dans porter service ba population d'où nécessité pour ne pas distraire la question et cyclone là faut une clé pour achever processus électoral. Merci là. Merci sénateur et alors monsieur en guise de conclusion la question électorale 20 novembre c'est pratiquement demain bataille pour te modifier calendrier a que en pile parti estimé trop long là ou senti que gon accommodement qu'a fait puisque 20 novembre de plus en plus c'est demain mais en pile monde continue quoi que deuxième tour là nous pas de besoin 29 janvier pour nous faire li d'autant plus que ça pral fait que mener nous à en réalité à savoir nous pas rater date 7 février a, pour l'intronisation du nouveau président de la République. Maintenant de quoi demain sera fait? Est-ce que nous croyons que faut modification faite, CEP a dit qu'embe modicus, il y a pas moyen de modifier, il rappelait que infrastructure électorale yo a au pourcentage très large dans grand sud là yo détruit. Donc et en pile monde perdit carte électorale etc. Alors de quoi demain sera fait concrètement et comment on va avancer sur route élection avec calendrier gain ou du moins nécessité pour nous modifier. Nous commençons à ancien ministre intérieur là régional Elva. Bon, moi même ça m'a dit dernier tour de table et pas oublier que et là m'pense que m'veux rapidement parler de nomination que m'dé ouais président et préfet t'ai fait dès les premiers moments c'était nomination des délégués et c'est ça que m'ai déploré aujourd'hui à là ou pas senti vraiment et c'est pour ça fait que m'dé quand même souligner rapidement le et sénateur Gilles t'a parlé à m'dé il faut et bien content il rejoindre moi dans logique pour ne pas affaiblir l'état pour que moun yo prenne responsabilité yo. Journée jodi a la et m'pense que faut qu'on état des lieux qui pour fête. État des lieux à par rapport à justement délégué yo et magistrat yo, à dire représentant quand même locaux pour ne pas bailler l'impression que nous pral font élection pour parti pays pas frapper ya. Le n'a faut état des lieux, nous n'a pas des constats azek kazek état route yo accès etc. Encore une fois nous pral encore une fois plus que jamais reposer sous Minusta en termes de logistique qui pour permettre que l'élection réalisée. T'as le même parlé de l'armée au début de question, mais encore une fois, faut un choix. C'est-à-dire que nous pas capables justement à prêter service d'autres pays qui gagnaient au contraire à l'ouab garder de sac dérivé pour l'armée paio. Il est encore plus grave, mais cependant, il a fait sa priorité fait pour capable permettre que l'institution existe. Je vous dis à la, si nous faisons état des lieux, ben c'est que l'urgent aujourd'hui, c'est par rapport avec orgueil en série de monde qui gagne, le n'a des acteurs et qui l'a conseil électoral là même il y a des grosses préoccupations par rapport avec date 20 novembre. Donc là maintenant qui ça nous risque nous fait gagner quand même un abcès sous cloa qui c'est évasion OKR perception c'est que qui ça lié qui ça gagne derrière qui mission mon zéro pral gagner on est monté sur parler quand même donc date tout à l'heure qui fait frémir parce que moi était vivre novembre 87 côté que nous perdu amis nous perdu des proches que nous connaît là n'a quand même là où elle vaillant. Donc tout ça pral repasser dans tête en pile monde qui pral permettre que nous connaît qui ça qui vraiment a fait pour qui rassurer population. On a parlé pour l'ouest mais au point de vue d'une série de quand même zones c'est presque son insulte qu'on fait mon nan kounyan là on parlait de l'élection par rapport avec quand même situation que la vive journée jodi a là ONG ou fait rapport des partenaires internationaux fait rapport mon presque ta batou sur l'osé journée jodi a là parler au doit faire de l'élection. Donc il faut quand même jodi a là qu'on prise de conscience qui pour faire pour nous pas forcer rentrer machine non côté que nous-mêmes nous déjà connaît que
pas gain issue. Donc là, il faut rapidement gon état des lieux, il faut que délégué au jouer rôle yo parce que c'est eux même qui pour rassembler les directeurs départementaux, santé publique, TPTC et agriculture pour connaître qui ça nous est pour que rapport yo acheminer, c'est eux qui représentent exécutif là dans tout département yo que yo prend rôle yo, que assumer responsabilité yo pour capable font état des lieux jodi à là. Il faut que jodi à là nous t'aider des rapports de chaque département, surtout ça qui frappe yo pour nous connaître comment situation. Et m'tendez tant pral commander, tant pral commander. Pas c'est ça. Et c'est eux dit autrement dit, nous pas capable ignorer l'école là faut reprendre. Nous pas capable ignorer faut timoun retourner l'école. Autrement dit, on ne peut pas quand même utiliser les écoles comme ceci était prévu dans le code qui était fait là par rapport à côté que tu vas l'utiliser pour élection yo. Maintenant, yo parlé de projection. Nous parlons de tant qui va le commander, qui lui a commandé, qui lui a privé. Donc tout ceci mettait pour une interrogation, encore une fois, sous date 20 novembre. Là. Donc là, c'est que si état des lieux ça n'a pas fait, si rapport n'a pas acheminé rapidement vers les autorités concernées, pour que chaque monde dans chaque département n'est pas capable, ou bien nous capable, donc là, encore une fois, nous risquons quand même de tomber dans quand même une situation explosive qui prend le fait que tout le monde, justement, question d'orgueil, question de pas capable de rater et date ça, pas capable de faire. Mais cependant, la réalité, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Saison cyclonique, là, li passe à que 12 janvier 2010, teye dans la mesure où son bar qui arrive sans battre attendre. La saison cyclonique allait de 1er juin à 30 novembre. Pas gain excuse, je ne vous dis à là pour nous prendre, parce que trajectoire là, n'est pas. Nous voyons qu'on a passé. C'est ça qui fait que c'est domaine qui a aidé nous. Parce que yo même yo fin nous voyons que yo à l'abri par rapport à la trajectoire là. Donc ça a été gagné en stock là. Yo dit qu'il a aidé nous avec. Et d'autres pays comme les États-Unis, encore une fois, stock pa yo, qui était même gagné des stocks qui étaient serrés là. Par exemple, pour Floride, qui t'a pas frappé, il y a des zones qui n'ont pas frappé, yo connaît, yo capable de distribuer vers d'autres régions, Jamaïque et Haïti, par exemple. Donc là, aujourd'hui, il faut que nous conscients que nous pas de Paris, nous pas de prendre des dispositions depuis 1er janvier. Et encore une fois, Mathieu a été quand même généreux dans la mesure où il frappait nous l'enfin saison cyclonique là. Autrement dit, nous avons le 1er juin que nous annonçons saison jusqu'à octobre. C'est la première frappe que nous prenons. Voilà que nous mettons à genoux. Donc, autrement dit, là, nous avons des zones d'accès. Qui dit élection dit accès. Qui dit élection dit permettre que nous ne sentions que nous en condition quant électoral. Là, quel est le bilan aujourd'hui de monde qui perd du 4? Quelle est la décision entre monde qui perd du 4 qui a envie de voter, qui a envie de participer, qui sont prêts à le dire jour et jour là, le pas gagné, qui ça on y prêts le faire pour que les capables de répondre à l'obligation que nous avons gagné là. Gonflou jusqu'à présent qui quand même préoccuper nous. Donc là, encore une fois, il faut quand même que nous-mêmes nous conscients, qu'on recule qui pour faire, au lieu d'affoncer, c'est pas tête droite encore, on a foncé la tête baissée vers une date, c'est parce que nous mettez quand même, ce serait beau, élection à nous capable de dire incontournable, mais faut que effectivement nous conscients que là, il faut que nous gagnions des acteurs qui permettent que nous gagnions rapport, on est à des lieux des différents départements et il y a de grosses préoccupations dans le sud et dans la grandeur. Et pour finir, on attendait quand même député à qui parler de questions, député, sénateur, cap fait route, etc. Encore une fois, faut nous pas affaiblir l'État. Il faut que nous sentions que Jean Noué, magistrat Gabriel Fortuné, prend responsabilité. Non, au cas là, nous avons aimé l'autre meilleur tout prend même barre là. Au lieu à plein, et bien justement canaliser action ONG, parce que c'est nous-mêmes qui avons les villes là en nous, faut que nous prenions ça. Et pas plein pour magistrat plein, il faut que vous fassiez ministère intérieur accompagner dans la démarche. Et c'est ça, yo. C'est prise en charge ça, qui prend le fait que nous confions dans l'autorité, nous, que leur ben nous rapport ça, qui prend le dit nous, zone ça n'est pas possible. Ou bien telle zone, nous prenons le faire bilan, nous prenons le garder. En toute population qui côté nous capable faire élection non, nous pas qu'à faire élection pour un bon pays pour que l'autre bois senti que il est négligé, il est abandonné, faut nous conscient, il faut une décision que tout quand même pays a senti que nous tendez tout le monde, nous tendez voyou pour nous pas quitter orgueil nous, pour nous pas senti que nous peut pas faire par rapport avec perception qu'a gagné que nous voulons qu'un pouvoir, il faut que tout le monde d'accord. Oui ou non, est-ce que l'élection est possible dans des conditions pareilles? Sinon, ce sera la catastrophe. C'est ça, bien. Alors, bon, c'est pratiquement une guise de conclusion. On salue le docteur Jennifer Philippe et son mari qui est à l'écoute. Donc, nous avons dit que c'est un petit inconvénient. Donc, nous avons reparlé pour nous planifier encore. Alors, sénateur Rivaud, en guise de conclusion. Et
pays a engagé une espèce de marathon électoral qui est entraîné par tout acteur yo mais on certaine ta capable dit et exaspération mon yo très agacé et yo ta remet que processus ça enfin li conclut ou après que parce que tout le monde qu'on capable rencontrer à travers les rues dans les sections communales différents départements les communes yo du chemin quoi ça li le pour finir nous doit arriver dans dernière station et nous tous conscients que 9 octobre, après cortège, ça, que Mathieu quittait d'elle là, cortège de deuil, de souffrance, l'étape tout à fait inappropriée, impossible d'ailleurs, pour que l'élection ait été faite 9 octobre, nous d'accord sur ça. Et Vignon calendrier qui sorti 20 novembre, et malgré qu'un consensus, un certain consensus qui était dégagé entre la classe politique et le conseil électoral provisoire, et on est capable de dire CEP a été anti, j'en fais fi. De consensus ça à côté que lui prend date 20 novembre là nous dit pas de problème il entre dans logique pour que et si deuxième tour il y aura et pour que il capable fait le 29 janvier 2017 pour plusieurs arguments que nous t'ai soulevé dans plusieurs stations déjà nous t'ai montré que nous pas convaincu de opportunité de nécessité que tu as gagné pour que 2 mois et demi après le premier tour c'est là ça il y a le fait deuxième tour si deuxième tour il y aura. Et parce que au train où vont les choses et la question peut être résolue dès le premier tour, suivez mon regard. Donc, il n'est pas possible. Et l'autre bagage que nous avons dit, c'est que l'aspect solidarité inter-haïtienne que nous avons soulevé là, moi, je pense que Haïtiens montrent que dans les moments difficiles, il y a une capacité pour capable mettre tête ensemble. Et je suis bien content pour ce côté fait à sénateur Hirvelt, côté montrer que, et bien justement, cette force. Disponibilité, ça qui gagne. Cette générosité de nos frères et sœurs haïtiens qui prêts pour te porter support, by compatriotes qui en difficulté dans le Grand Sud, eh bien, ceci n'a pas été exploité par l'équipe en place, par le pouvoir en place. Et ça sont erreurs terribles et que vous faites. Entre temps, il faut nous dire que nous remercier, parce qu'il faut savoir le faire aussi, nous remercier et secteur privé, hein, nous remercier les partenaires de la communauté internationale. Malgré tout gros problème qui gagne, il y a une question ONG qui doit faire l'objet de notre débat. Ce n'est pas après-midi, ce n'est pas matin, on n'a pas le faire. On a bien pour nous retourner sous panel ça pour nous poser question de ONG dans le pays pour que l'argent gagne genre de catastrophe. Ça, pour ce n'est pas eux-mêmes qui prennent l'initiative pour dire mais qui côté, ils veulent aider nous. Mais c'est à nous autres, hommes d'État responsables, pour qu'ils disent mais à quel niveau ou capable vraiment accompagner nous. Donc nous remercions le secteur privé aussi. Et au niveau de cette solidarité inter-haïtienne, le candidat du PHTK à la présidence, Jovenel Moïse, t'est montré que l'était véritablement en trait d'union. Ça que me un véritable catalyseur de cette solidarité inter-haïtienne, nous dit le bravo. Malheureusement, ça a été une réaction citoyenne. Ce n'était pas le candidat qui s'est investi là, dans cette dynamique. Ça a été donc un réflexe et citoyen. Ça a été une réaction spontanée d'un homme qui est très affecté par détresse et souffrance, hein, population Grand Sud, là, et spontanément l'hypothé, et tête libayo, l'accompagné, support de yon frange dans le secteur privé, hein, qui ont même tout décidé d'accompagner. Donc, nous remercier et nous dire bravo à Jovenel, et nous féliciter nos compatriotes du secteur privé qui te permettent que ça possible, pendant que nous avons remercié tous nos partenaires de la communauté internationale. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un État fort et qui soit en mesure de répondre efficacement à genre de catastrophe Sayo et avatar catastrophe Sayo. Il y a un État fort passé par et la présence, bien sûr, aux affaires, mais la présence au timon de l'État, de président issu du suffrage universel direct qui investit de la confiance de la population haïtienne. Et c'est ça qui fait que, de toute façon, quelles que soient les circonstances, c'est comme en temps de guerre. Guerre qui a fait, mais l'école continue à faire. Il faut qu'il y ait des élections dans ce pays pour que nous gagnions un président qui lui-même investit justement de confiance population et qui sera un interlocuteur valable vis-à-vis des partenaires de la communauté internationale et qui aura à cœur de renforcer les institutions de la République pour qu'ils permettent que véritablement les problèmes qui sont posés. Et puis, pour être capable de réagir bien vite et pour tes réponses tout, dans la dynamique de reconstruction que malheureusement, Mathieu, la guenou là, je ne veux dire.
m'ta même dit que ça permet que ou pas vivre genre de tâtonnement ça yo, genre d'hésitation ça yo, genre de mauvais choix ça yo, que nous sommes témoins de yo bon côté équipe en place hein? Et avec bien sûr le prochain président d'Haïti Jovenel Moïse, on va parler que et bien et gros mot est utilisé et amateurisme en ça dont nous avons été témoins dans la gestion post-Mathieu, eh bien, on ne peut pas jouer une question ça encore, parce que c'est quelqu'un qui sait où il va et comment faire les choses. C'est une raison qui fait que, et moi-même, ou Dierivo, nous sommes à la croisée des chemins. L'heure est grave. Ou un pays qui est malade. Et si tout haïtien, me répétez encore, j'insiste là-dessus, je ne j'en dis hein, pas éclater, égo surdimensionné, que vous avez la caillou pour rejoindre. Et le ministre Réginal Delva, pour que nous disions que yon grand monde, yon grand secteur, pour col, pour tête li, pas à même de porter réponse à question ça, de travailler, d'œuvrer au redressement de cette société malade, eh bien, on fait fausse route. Il faut que nous ayons suffisamment d'élégance et suffisamment d'honnêteté intellectuelle, et pour nous capables de dire, eh bien, c'est ensemble que nous devons faire les choses. Ok, fini. Tirer tout ça qui est bon, qu'il y ait tout acteur politique, yo, et puis pour que gagne un véritable leader responsable, un guide lucide, un éclaireur intelligent de la dimension, de la trempe, du calibre et de Jovenel Moïse, pour que nous capables commencer, initier ce redressement auquel aspire et ceux et celles qui nous écoutent. Pour les raisons que je vais citer, l'homme du moment est Jovenel Moïse. Il a une connaissance parfaite du terrain. Il montrait ça. Je connais pays à bien. Il a un discours qui traverse l'électorat, qui traverse la population. Pendant ma parole là, le pays sait déjà, connaît déjà le nom du prochain président de la République. Ces confirmations, il y a plein qui fait. Ça, donc, connaissance terrain, monsieur, et capacité que le gagnant pour le capable de mettre. Et mon ensemble fait que, justement, choix avine pratiquement imposé le de lui-même. Deuxième qualité que M. gagne, et que tout pays en vient découvrir, même si à un certain moment de l'année, quel que soit secteur politique ou appartenir, ou obligé quand même, et quelque part, interpellé, et traversé, et sensibilisé par la substance du discours de Jovenel Moïse, c'est que c'est quelqu'un, eh bien, qui a un savoir-faire, qui a une ingéniosité. Il l'a démontré comme homme d'affaires et en tant qu'acteur politique, on ne peut pas le président, lui montrer qu'il est capable justement de canaliser cette énergie débordante et justement cette ingéniosité eh bien, en fonction du président que l'a pas gagné pour l'occuper. Merci, sénateur. Non, ça, donc, ça c'est deuxièmement, troisièmement. Non, je termine. Il faut me laisser le temps de terminer. Oui, mais troisièmement, oui, toujours comme ça. Humilité, monsieur. Humilité, monsieur. C'est Peggy Matou, c'est pas mouillé. Non, sénateur, pas fait ça. Faut me, ouais, actuellement, parmi les gens qui parlent plus, ou après, pas fait ça. Non, n'obligez pas de parce que l'heure a privé. Humilité, monsieur. Moment, on m'a dit pour nous humbles. Pour nous humbles, on veut dire qui ça? Qu'on est que Adrien, ancien collégien comme moi, pourquoi le papa met en rien? On a échoué lamentablement. Pascal Adrien. Oui, ou comme s'il propose la prétention d'avoir la recette miracle, magique. Oh, bah, exemple, on parle la même. Un exemple. Ah, oui. Faut comprendre. Ah, oui. Ah, moi, j'ai pas fait ça. Allez-y. Ne me déçois pas. Tu es du Nord. Nous sommes du Nord. Même pour mon frère, le sénateur chéri. Parce que moi, pas de comprendre et allez-y. Exemple. Il faut que. On va bien droit exiger le mal du bras dans la situation. N'oblige fini, sénateur. N'oblige fini. Monsieur Gros, détermination extraordinaire. Jovenel, t'es la cible de certaines attaques, les unes plus fantaisistes et cocasses que les autres. Cette fameuse affaire du greffe, alors que vous parlez, député Latoun, de 5 millions de dollars américains. C'est une question de 5 millions de gouttes d'un entrepreneur, d'un homme d'affaires dans ce pays. C'est comme si c'était et la fin du monde, comme s'il n'y avait pas droit. Madame Général, il y a plus l'argent pour la gérer, pour créer job pour moun. Eh bien, sa détermination fait que il réussit à surmonter tous ces obstacles que l'on permet de dresser sur le chemin qui doit l'emmener au palais national. Et enfin,
Et enfin, qualité, ça, comme on va le dire, met accent sur lui, c'est son esprit d'ouverture. Ok, merci. Son esprit merci. D'ouverture. Matt Campé a ouvert. Qui voulait dire que arriver au Palais National, c'est quelqu'un qui saura faire appel à toutes les compétences. D'où qu'elles viennent. Bien, merci. Parce que c'est de cela dont merci. On a besoin dans ce pays moribond et grabataire aujourd'hui qu'est Haïti. Merci, M. Henri Lio. Oui, merci. Et les élections. Pas moins de quantité de temps, M. Mandé. Et les élections. Okay, sénateur, et, ça va. Yeah. Et les élections, mes amis. Yeah. Que vous voulez le gros, pas vous voulez. Bonjour, feuilleton, ça fini. Ok, nous merci, ne sommes merci, pas bien. Loin. Sénateur, sénateur. Du dernier épisode. Merci, merci, merci. Monsieur Henri Lio. Oui. Si Marie okay, pas monté, si Marie pas monté. Ok, c'est ça. Ok, monsieur Henri Lio. Après moi, c'est là. Moi. Après que nous, c'est nous. Après moi, temps, sénateur, il faut prendre. Maman, plus. Après nous, c'est nous encore. Son pire. Immobilisons ensemble des ministres. On nous prend par exemple le ministre. Nous sommes d'accord pour moitié temps, non? Moitié temps là. Non, même temps. Le ministre de l'Éducation. Et au plus ou moins fait du rapport sur quantité de l'école qui crasait. Donc, élève dans le grand dans cela, dans le sud là, pourquoi il l'école? Alors que dans l'ouest, il reste pays, élève yo jodia dans la première période, il a composé. Est-ce que nous n'avons pas accepté réellement le grand pays à deux niveaux, à double vitesse? Est-ce qu'il a parlé d'examen officiel pour élève dans l'ouest, reste pays, et puis grand danse et haute paladin? Oui, il faut nous poser problème là. Donc, je pense que le ministre de l'Éducation prononcer sous question et bien, il y a un délai aussi rapide qu'il y a pour élèves dans une grande région à aller à l'école. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, c'est par rapport à la question de gestion et crise là même. Donc, je veux dire, là, nous constatons que le gain des mondes, cap dominant, cave, dans la grotte, donc, inacceptable pour des dirigeants, je veux dire, tu as continué à briller les têtes des dirigeants d'un pays. C'est soit vous tirez la révérence, vous dites qu'il faut renouer à l'évidence que c'est des dirigeants, et puis il y a trouvé des stratégies qui permettent à ce qu'ils ont intervenu, résoudre problème ponctuel, ça veut dire qui ça? Un, c'est poter manger by Mounio, et avec une distribution rationnelle des structures qui existent, et Kazek, mairie, Azek, etc., etc., par rapport à mobilisation citoyenne qui doit être faite dans le pays, ensemble de scouts, JIPA, etc., etc., permettent à ce que vous engagez en des questions ça. Pour permettre à ce que nous portons soutien, nous portons solidarité et solidarité agissante de la population. Ça, c'est un deuxième niveau. Mon troisième niveau, c'est configuration ou représentation du point de vue grenier, région ça a gagné. Et commencer alarmant parce que dans deux, trois mois, ensemble de greniers, ça qui qu'on poté manger dans l'ouest et dans le reste pays, pas poté. Ça veut dire que ça n'a pas un grand goût. Et d'ailleurs, il y a des marchés qui commençaient pas qu'à alimenter en termes de besoins élémentaires. Donc, faut l'État ça adresser question ça. Par rapport à question politique, yo. Bon, c'est vrai que des débats qu'a fait, il y a des gens qui disent que des actions qu'a fait qui pas prend en compte dignité mounio de façon soit des pays à porter des aides parce que ça malheureusement nous pas débattre et là même parce que il est important à ce que nous adresser de façon rationnelle pour permettre à ce que nous dit exactement nous comme nation comment aide faite pour rentrer en deux pays les en nation à porter aide est-ce que c'est une indignité est-ce que c'est un irrespect est-ce que nous pas fait pour tenir ça comme histoire ça nous est comme passé, ça nous est comme culture en deux pays. C'est vrai. Il y a au moins 5 pays ou 6, 7 pays qui potaient des aides. Mais comment imaginer? Et Saint-Domingue, un seul pays qui bat l'argent déjà, 200 000 dollars. Et Saint-Domingue vini avec 500 containers, avec une quantité militaire, et les opposés. Qui délai? Le ministre intérieur a dit c'est 84? Oui, qui délai? Il a passé, il a dit, en temps indéterminé. Alors on que, nous pas un monde en deux pays, il n'a pas tenu compte des antériorités qui existaient entre nous et la République dominicaine. Rapprochement, nous, comme île, deux pays qui toujours gagnent, ils ont tension, parfois y a monnaie, parfois et rupture, qui demandait à ce que, quel que soit ça n'a fait, il faut nous tenir compte des réalités, ça, du point de vue diplomatique.
D'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères là-bas dit que des démarches qui pas correctes qui ont été faites. Donc nous-mêmes comme société, comme peuple, faut nous tenir compte de lui. Par rapport au deuxième aspect politique là, c'est des démarches que notre citoyen Jude Célestin fait en deux pays. Et le jour le 4 et le 5 et octobre pendant Mathieu Tapas. Quelle est son première fois cité non pendant la émission? Au commencement, je me décide. Ah ok. Donc il était, je rappelle, c'est vrai, le sénateur t'a tout dit, une situation calamiteuse qui n'a. Mais Jude a commencé à faire des interventions là-bas. Il fait tout comme il fait le fond Verrette. Et ça m'a pas déjà mentionné là. C'est une démarche élégante. Jude Célestin fait à Nation comme citoyen. Il écrit en lettre pour demander à ce que le président Préval et le premier ministre et Enex répondent lui à une correspondance. Le président privé. Oui. Et que lettre l'a dit très clairement, il demandait à ce qu'il y ait un pont qui entreposé dans la cour CNE, il demandait à ce que pour l'État, ben, autorisation pour installer point, néanmoins la portée expertise li dans ça. Pour moi, parce que si un citoyen, quel que soit citoyen, l'adresser en problématique à l'État, il faut l'État à répondre. Et encore moins, on, quelqu'un qui est candidat à la présidence, qui forcément qui sera président à la PIA. Donc comment un premier ministre à poil dans inélégance pas écrit un citoyen qui candidat à la présidence en lettre qui fait un ensemble de rumeurs mensongères qui a passé dans tout le pays. Pour moi, parce que le mauvais. Bien. Minute. Mm-hmm. Vous quittez ça pour sénateur chéri. Nous passons. Nous tous les deux dans l'alliance avec la paix. Oui, moi concerné de ça. Et malgré ça, la plaie dit que. Moi concerné de ça. Non, malgré ça, va pouvez pas. Jude Célestin. Vous plaît, mon cher. Jude Célestin. Faire un pont, un passage à grue du côté de Tigouan. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas une autorisation, donc blocage en réalité. Non, il faut une poser lui. Il faut poser comme problématique. Si on a posé problème l'État inefficace, si on a posé problème l'État moribond, c'est parce que l'État moribond, même dans ce sens-là, qui fait qu'il n'a pas une capacité pour l'adresser aucun problème de citoyens qui posent dans la société. Donc, là, Jude est intervenu par rapport à passage à Gré, Tigouave. Il est intervenu à plusieurs niveaux, et dans le Grand Sud, dans le Grand Danse. Là, par exemple, de citoyens et candidats à la présidence, tant qu'Éric Jean-Baptiste, tant que Steven Benoît, fait des distributions. Pas, ils pas 20 têtes comme candidat. Et c'est là pour. Pour non, ils ont fait le bouge de Célestin. C'est élégance dans la démarche-là. C'est élégance démarche-là pour nous tenir compte. Parce que nous voyons que c'est des gens qui croient que responsabilité citoyenne est importante. C'est vrai, ou candidat, mais ce n'est pas lui. Qui est prioritaire? Non. Bon, donc, il y a besoin de programmation pour aller. Donc, j'ai fait des. Oui. Et fais concession, ça. Parce que c'est pas parler plus là qui est important. Non, c'est mentionner lui qui est important. Yeah. Vous comprenez? Yeah. C'est une façon de dire là. Et c'est ce qui vient d'être fait. Donc, tout va bien. Ou fais comme ça que tu fais ça. Bien fait. Bien. Acceptez que nous finissons là. Merci, en pile. Député à tout. Merci pour Nord-Ouest. Bon, Nord-Ouest a toujours, surtout mon Jean Abel Abombade, qui était joué un coup d'épaule Jude Célestin. J'étais descendu en bas, président de descendu en bas, en premier service. Mais de toute façon, moi-même, élection cyclone. Élection cyclone. Bon, maintenant, moi-même, Nord-Ouest là jusqu'à présent, et qui t'est fin pour un cyclone là, qui peut avoir une intervention, il est fin pour une inondation. Et si je prends BDN et Jean Rabel, est-ce qu'on connaît Jean Rabel qui est plus qui écrasé pendant une inondation que cyclone là? Ah oui, qu'on pas qu'il y ait effondrement. Qu'on pas qu'il y ait effondrement. Terre avin pa ka kembe encore gon paquet crase kay ki crase. Donc ça veut dire si ta gon minimum ben si gon grande absence pendant cyclone là sous nord-ouest inondation fait à ce que rapidement quelque chose à résoudre.
évidemment, moi connais que quatre magistrats Banod Ouest étaient ici et hier ils étaient gagnés pour rencontrer avec le Premier ministre là. Je connais. Maintenant, élection. Bon. Tout à l'heure, monsieur a parlé de candidats. Monsieur a parlé de militants. Nan tête pam, expérience pam, on pas quoi gon personne qui a milité longtemps. Qui a bail service. Parce que l'ordre militant, faut donc qu'on en fait vous, c'est service soit bail. Correct. Avec minimum peut-être sans rien. Surtout l'on nèg qui est en province. Ou bail service. Comment où son nèg? C'est pas nommé ou. C'est peut-être cœur, la nature, bon Dieu choisit, ou bien service, et puis on vient à cette comme un leader naturel. Et puis, pour ta team, tremblement de terre passé, cyclone ça a passé, inondation ça a passé, surtout M. Negnodouès, et puis, pour me dire, élection. Comment on va le dire? Bon, qui est-ce qui a voté pour moi? Qui est-ce qui va aller? Quand on a chaque monde ses problèmes, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à dormir, ou même qu'on côté vous faire, pour aller chercher. Donc, on n'a pas qu'à dire élection. Maintenant, si le responsable pays a dit élection, ça, puis, Goma, le carrivo là, sous d'où va aller, voilà que moun ki représente, puis Goma, le, pour son un candidat, et puis où d'où va aller, puis élection, et puis c'est lui même. Parce que là, voilà quand même. C'est ça. Moun ki méchant, pas joué. Parce que les gars sont méchants liés. C'est pas, et pas service li baye. Maintenant, le problème paysan, je dis, c'est que tout le monde a passé très sous question de service là. Et puis, élection en vino, l'autre bagaille. Ok. Merci, donc, député. Peggy, vous permettez-moi de dire un bagaille. Moi, je pense que l'élection Nord-Ouest, là, je ne suis pas au courant. Et il y a deux candidats qui pointaient là-dedans. Il y a deux gros bagailles qui font là-dedans. Et la presse n'a pas le droit de passer sur ça parce que les militants n'ont pas passé sur lui. Il y a un candidat au Sénat. Calpin bagaille sous quatre communes nord-ouest et qui sont candidats ou eh ben l'ob militant quel que soit nègre mais fait septième primaire si là fait politique longtemps ou bien il y a un groupement l'église ici là gagné il pas fait magistre mairie ou pas voyez ou pas même connaît c'est l'aller et puis chance par mairie il signé sénateur intel sous son candidat son candidat. Il signait Mel, sénateur Intel. Pas qu'on est qui sénateur comme accepté au candidat dans l'élection et puis on signait sénateur Intel. Mais qu'on l'autre bas qui vivait au mol. Il fait un monde signé pour magistrat. Ouais, qui sa élection en bas? Pendant le cyclone, non? Ouais, on bagaille, il fait tout le monde vin, ouais, faiblesse, moun, qui peut qu'on gagne dimension pour être candidat, qui peut le servir. Et c'est le passé, il peut le servir. Maintenant, on le bagaille. Obligé de finir, un candidat pour voir. Alors, Nega Seli même qui mettait délégué de Batmantal, ou pour le mandel, pour Sakabayo, pour ne pas passer par délégué, pour ne pas délégué, pour ne pas passer lui-même pour gérer. Ça crée frustration tout. Le l'Algérie là, là, qu'on a tout bagaille bloqué. Donc, tout n'est que ça demande élection, parce que si pouvoir pas faire élection, en coulia, il n'est pas bon pour lui-même. Donc, c'est ça qui fait, il est important et intéressant pour la population à surveiller à ce que les gens qui ont profité, qui sont crimes, qui ont profité de l'aide humanitaire, bah, pour les gens qui vraiment délaissé, moun ki envahi par la misère dans cyclone ça et puis wa profiter de aide ça pour faire passer par ou même pour le servir elle pour ka di moun yo c'est moi qui sauver la roue aujourd'hui pour elle sauver pour le voter après. Bon, c'est vraiment difficile parce que geta grand pile moun ki quitté province qui geta couri vin la ville, on pa konn comment pour le payer moun ça ou pour le chercher dans ville Port de Paix ou pour le chercher dans de quand on va chercher tout le monde Port-au-Prince pour le payer pour dire retourner Jérémie okay. C'est ça. Là, donc c'est difficile. Eh ben, député, merci parce que vous faites un sacrifice pour t'y entrer. Merci. C'est ça. Petite Dessaline, m'envie de vous en gagner une oui. Oh, hein? Il y a un bafel comme ça. Admisez ça.
Bon, allez bien rapide. Moi-même, je ne vais pas parler trop, seulement 15 minutes. Hein. 15 secondes, toi, pitié. 15 secondes, les yeux. Non, 4 minutes. 15 okay. secondes, toi, pitié. Alors, par contre, si nous au courant de ça, le Conseil électoral là écrit et la présidence. Il dit que si vous pas réparé dans 10 jours, 280 centres de vote, et si vous pas réparé accès qui vous mène à 161 autres centres de vote, accès routier. Même calendrier, vous n'avez pas respecté. Ça veut dire l'impossible pour pas gagner l'élection encore 20 novembre. Et jusqu'à présent, dans la minute, n'a pas là. Il y a presque 4 départements et demi pays à frapper. On dit le Grand Sud qui a 4 départements, NIP, Sud-Est, Grand-Anse et puis Sud. Mais ça ne va pas oublier qu'on bon parti dans l'Ouest, Tigouave, Grand-Gouave, Léogane, Grissier, Léogane et Latrier. On dit dans l'Ouest, il y a presque 6 à 7 communes. Ça ne va pas oublier Nord-Ouest. Oui, qui est victime, derrière Nord-Ouest encore, et Lagonave. Et jusqu'à présent, on peut couvrir ONI, mais il campé pour faire 4 électorales Mounsayo. Pour nous participer convenablement à l'élection. En fait, 4 là, au gain de terre, au gain de bagaille, ils n'ont pas perdu vraiment, parce que ça. Le bon travail, une étude qui fait du terrain. Le cabal, peut-être ton papier pour y aller. Oui, c'est ça. Ça veut dire là, gardez bien pour qui route que nous apprenons là. Qui sa plateforme Petite Dessaline t'es suggéré? Vous avez dit que vous n'avez pas de compagnie route qui n'a pas pays. Qui fait 1 km route pour l'État pour plus de 1 million de dollars? C'est une catastrophe naturelle. Pour jouer un contrat, si le pays est en difficulté, il service pas. Ça n'a pas tant là, non? Accès aux routes, ça y telle compagnie te dit, bon, ok, je ne vais pas chez Gudde, je vais vouer, on tient le soir, de façon à ce que le pays a soutenu l'instabilité qui est liée, je veux instabilité sociale, instabilité électorale, tout. Parce que normalement, depuis l'élection, pas fait là. C'est une catastrophe, l'Ivalier. Ensuite, nous regardons, nous voyons bien, jusqu'à présent, on dit, ça va gagner 3 semaines. Ou pour voir rien qu'à fait. Pour nous d'associer la situation que y est. Qui j'ai une plateforme Petite Dessaline, vous comprenez ça? Je dis à si élection, nous te dit élection c'est seulement démocratique pour pays à renouveler personnel politique. Mais par contre, je dis, est-ce que y a une volonté pour faire élection? Est-ce que vous avez caché des qui dit yo pas faire élection? Pas faire somme de vote, pas réhabiliter. Est-ce que la communauté internationale a l'autre plan pour nous? Mais nous-mêmes, derrière tout ça, nous voulons élection. Élection qui pourrait être payée dans sa lieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, si ou elle prend chance ou fait élection sans presque 4 départements, ça y est, regardez dans quel problème vous pouvez mettre pays. Parce que le monde, ça y est, voit, doit compter tout. C'est citoyen, oui, tant que tout citoyen haïtien. Aujourd'hui, nous te souhaitons que l'élection ait été faite dans la date qui est prévue par la Constitution. C'est ça que nous te souhaitons. Mais nous comprenons l'enjeu, nous sommes d'accord 20 novembre. Non? Mais 29 janvier, Petite Dessaline chargé problème avec lui. Premièrement, deuxième tour après le fait, Andy Ango, le parlement est supposé à compléter qu'il était signé à la Chambre des députés. Je dis, je ne vais pas parler de deuxième lundi. Hein. Ensuite, le 7 février, où est encore son lot date qui sous route pas respecté. Mais puis, ce n'est pas même volume candidat qui parle dans le deuxième tour encore. Alors, pour qui ça, un deuxième tour pour le fait jusqu'à 29 janvier. Et presque 2 mois, 10 jours après. Ouais. Je dis à l'organe où il y a des candidats qui peuvent aller pour n'importe 3 ou 4 tours là encore, économiquement. C'est son 5e tour, oui, nous, là. Bon, ok, on regarde. C'est tout candidat. C'est tout candidat. Mais 5e tour, c'est nous-mêmes qui sommes responsables parce que nous délivrons seul coup de clé. C'est son seul coup de clé. Non, il n'y a pas qu'à là encore. Il n'y a pas qu'à là encore. 4 là-bas. Et 4 là-bas, battre la net. Et 4 là-bas, battre. Même pas la discussion, ça va. Nous n'avons pas fait. D'autant plus que moi, ok, vraiment, la situation. Je dis à là. Nous te dit avec le président Rivet, nous te respecté parole. Côté te dit, la fait élection et la promet pouvoir le 7 février qui vient là. Et nous-mêmes nous clairement dit, après 7 février, nous pas responsable président Rivet. Et au-delà de 7 février, nous pas aucun autre gouvernement en transition. Les affaires nous souhaitaient que l'élection en fait. Donc le ou la façon, pas responsable. Le ou la façon, faut élection en fait. Yeah. Mal fini, ce candidat à la présidence. Oui, enfin, vraiment 30 secondes. Oui, femme dit de mots boulis. Désormais, citoyen, ça a lié les mots Jean-Jacques. Parce que c'est lui qui parle pour tes revendications souveraineté pays. Deuxièmement,
c'est le seul candidat qui travaille dans tout département qui est victime, sans pas avouer ni emblème, ni numéro 28, à faire campagne. Parce que je veux dire, nous avons choisi d'utiliser misère population à des fins politiques. Si c'est vrai, le parcelle. Ensuite, bon, ça c'est où pas oui, dit. Si c'est vrai, le parcelle. Petite Dessalines, fait tout ça le capable. Il m'a utilisé des jeunes qui sont les brigades de Salignette qui t'a fait travail ça. Dans quel département? Et parce que dans tout département, il y a des gens qui sont victimes. Bon, ouais, c'est ça. Bref. En fait. Non, pas que les gens ne parlent pas. Pascal, en fait. Oui, avancez. Mais si vous choisissez d'attaquer, avancez. Mais vous devez battre pour vous. Je ne vais pas souhaiter rentrer là, vous n'êtes pas responsable. Yes. Non, et. Avancez, camarade. Très bien. Ça veut dire que nous avons souhaité que l'élection en fait, Jean le doit faire là. Le conseil électoral, là, non seulement il doit prendre responsabilité, on doit prendre responsabilité, l'État doit prendre responsabilité, mais je dis, si il y a tout le monde qui est victime, il y a tout le tol, il y a tout le bois, pour que ça ne soit pas recouvert. Si il y a tout le manger, ça, peut-être que ça moune dans le grand sud pays, dans le grand goût toujours. Et si il y a tout le l'eau, ça, pour que ça moune, il y a un problème de l'eau dans le grand sud pays. Et si il y a tout le vaccin, ça, vini. Peut-être qu'il s'accolera toujours à manger le monde dans le grand sud pays. Merci. Est-ce que vous avez un plan pour mettre un bon dans le pays pour pas dans la décision pays? Nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous avons souhaité que l'élection soit faite dans l'aile du fait. Merci, René Timothée. Évêque Villiers. Ma conclusion. Nous-mêmes, nous accommodons avec date 7 que vous dites. Campagne la plus ouverte. Nous avons fait tout ça capable pour nous l'ouvrir la campagne, nous, jeunes de l'ouvrir. Et nous n'avons pas quatre candidats. Chaque fois dans le département, nous trois là avec Bissio plein de monde. Côté Rivéa, c'est même monde qui a eu quorum tout côté. Tout côté. Et yo Kokap, c'est yo Jérémy, c'est yo Gandan, c'est yo tout côté. Moi, je regarde des gens. Mais par contre, je regarde des personnes. Tout le monde qui va connaître qui est le président d'Haïti. Ah, ok. Mais par contre, il y a comme ça. Moïse Jean-Charles, l'aller dans la campagne avec seulement équipe. Li. Et les nouvelles populations recevront nous. Et tout le pays a ça. N'est qu'à parler son seul coup de clé, deuxième tout, troisième tout, ou un grand bagage petit de Saline connaît. Nous pas travailler vous dire. Merci en pile, évêque Villiers. Excusez-moi, non, mais non. Il a raison. Hein. Timothée, ça me reconnaît. Il m'a dit Moïse fait rad marino, mais Moïse pas traîné en bonne bus d'elle. Mais il y a deux candidats à la présidence, chaque côté au Rio, ouais, même Mounio. Même Mounio. Question élection, hein? et conseil électoral là pas doué prendre décision yo de manière unilatérale. Ta doué gagner yon chit attendez avec les partis ou les gens concernés. Il y a eu ça, sauf que yon pas respecté qui te commencé à dégager. Ça veut dire conseil a fait élection pour tête il va faire ni pour parti politique. Me senti que parti politique yo pas intégré assez et ni yon pas gagné assez de autorité. Puis on change et on donne. Donc c'est ça qu'on a souhaité que ces partis soient capables de dire. Et s'ils ne prennent pas un ami temps, c'est eux-mêmes qui décident ou qu'il y a une crise sociale. C'est bien, ni gouvernement actuellement pas qu'à prendre. Bien. Merci. Ah, il respecte 30 secondes là. Bon, yeah, c'est ça. Et... Oui, bagage. Oui. Remets Haïti. Remets Haïti à 45 secondes. Non, ma prends. Non, la moyenne de ça, mon Dieu, dépend déjà. Et m'a dit rapidement que je dis à la crise humanitaire là, gagne autant d'importance que poursuite de processus électoral. Donc c'est deux urgences que oui. Et je pense que mal gestion yon capable hypothéquer l'autre là immanquablement. Comme c'est suffrage universel, nos besoins élections, nos besoins bon gens élections. Mais suffrage universel là lui-même lui mettait nous devant obligation pour que population électorale là en général participe. Autrement dit, par aucun département qu'on est capable d'exclure de processus là.
et inclut tous les départements, y compris les départements qui sont sinistrés, mandé justement que il y a d'autres mesures qui pas forcément gain avec le volet électoral mais qui entrer dans sa nouvelle gestion de crise humanitaire là. Donc pour élection qui est faite, faut qu'on focus sur ça match qui était comme problème, ça qui était comme valeur ajoutée dans ça que nous avons gagné comme déficit pour nous gérer, faut qu'on focus sur yo pour arriver déblayer terrain. Mais on n'a pas quelques électeurs captant des émissions, ça pas supposé perdu de vue. L'État en dégrabe que nous avons aujourd'hui en 2016, qui fait que même un cyclone n'est pas capable de gérer, qui fait que la tenue des élections presque dépend de est-ce que l'appli a tombé ou pas. Niveau dégrabe, ça, c'est résultat de 30 ans de gestion calamiteuse des affaires publiques. De 86 à nos jours. Et c'est ça que fait. L'on a parlé de la reprise du processus électoral. L'important pour identifier qui moun parmi ensemble candidats là yo qui t'est participé de près ou de loin dans gestion 30 ans. Nous pas capable d'entrer dans la dynamique de renouvellement de l'expérience de l'amateurisme au plus haut niveau de l'État. Nous pas capable de casser doubler avec corruption systématique au plus haut niveau de l'État. C'est ça que fait n'a projeté tous les candidats de doublure pour nous choisir résolument et le rassembleur Jean Rissien. Et par rapport à la problématique du 7 février, dit rapidement par rapport à la problématique respect échéant 7 février, effectivement, nous, en dans et Haïti, nous déplorons que 29 janvier, il paraît hypothéqué quelque part 7 février. Cependant, un bon démocrate qu'il est, Jean Rissien, bat tout le monde garantit que peu importe dans qui moi que l'investit de la fonction présidentielle, l'y engage pour que le 7 février 2022, l'y remette pouvoir. Au terme d'élections libres, honnêtes et démocratiques. La promette. Évidemment, nous t'as souhaité que c'est le 7 février que nous prêtons serment. Mais s'il arrive que, par rapport à tout aspect ça, que nous sommes traités là, le 7 février, il n'y pas arrivé prêter serment, eh bien, 5 ans plus tard, soit le 7 février 2022, oui, mais c'est... nous sommes capables de garantir que Jean-Rissien a promettre pouvoir là. Nous saluer. Cohorte de jeunes un peu partout à travers les 10 départements qui rejoignent Rémi Haïti. Nous saluons cohorte de paysans, de femmes qui rejoignent nous en dans dynamique de construction, de modernité politique que nous engagé nous là. N'a pas des restes moun qui beaucoup fait ça et qui t'a bien aimé faire ça. Pas oublier chaque jour, relais pour prendre rendez-vous et numéro A c'est 34. 20, 20, 20. On dernière fois, 34, 20, 20, 20. Merci un peu. Sénateur chéri, si nous avons fait 45 secondes, nous avons. Merci, camarade Rony Timothée, qui était cité sud-est dans la liste département touché. Parce que bien souvent, même autorité a oublié ça. Côte de fer frappé, plusieurs villes côtières bénées, et puis là, on commence à Belance qui veut ça s'appuie frappé. Et deux, en plus, toute tête monio, la vallée, la montagne, mon a brûlé, tout frappé, et il y a gagné l'eau de victimes, yo, et sud-est a gagné des morts, il y a eu 6 personnes qui mourent dans le sud-est, pour tout le sud-est. Donc, et nous voyons sympathie à toutes les familles qui touchent yo. En même temps, nous voulons moyen qu'on ait électoral là. Et l'innécessaire pour gagner l'élection, les durer trop déjà, les coûter trop pour pays. Pour chaque citoyen qui n'a pas la route dans l'autre, soit comme candidat, comme, soit comme supporter. Sout en même temps, une maladie qui fait la durée jusqu'en 2017 pour Azek Kazek, pour ne pas oublier ça, je ne veux pas souffrir plus, puisque tu es dans l'élection. Mais il y a des bails graves qui ont passé dans ce CEPA. Et ce CEPA, il y a une différence en pilote, il n'y a pas un secteur qui domine totalement, mais il y a plusieurs secteurs qui ont battu. Et il y a un secteur même qui faufile à titre de conseiller du président et il y a un pouvoir pour le passer l'ordre à la machine. Et il y a des bagailles graves qui ont passé,
qui fait gain pile monde qui prend dans moi et tout ça lié avec un pile bagaille qui dans calendrier là un pile bagaille qui bloquer système nan pour lui efficace et bail résultat au niveau de ça qui doit faire et toujours un problème de liste électorale problème de mandat avec par exemple Carizo donc faut tout le monde qui démocrate au bataille pour que système nan li échoué nan essayer contrôler l'élection bien dans même temps tout et nous croyons que li nécessaire tout pour force politique haïtienne ou coller tête yo soudé yo et c'est force ça que nous fait autour de Jules Célestin lorsque nous créons Copol un regroupement de candidats un regroupement de partis politiques qui dit c'est pas l'alliance finale li totalement ouvert depuis qu'on y a avant les élections et après les élections. Merci, merci sénateur chéri et famille Lavalas. Famille Lavalas. Famille Lavalas. Le 9 octobre dernier, population haïtienne était mobilisée, était conscientisée, était comprendre les Jean-Bertrand Aristide, les Maryse Narcisse. T'es pilé béton à travers les 10 départements de ce pays. T'es gon fièvre la valasse, t'es gon effervescence, t'es gon grande fièvre électorale côté peuple haïtien. T'es pral retourner au pouvoir avec Maryse Narcisse. Malheureusement, 4 octobre, 5 octobre, cyclone nan rivé. Ça n'a pas constaté, journée jodi à nous même dans la famille la valasse. Nous, ouais, qui Jean, président privé. Nous gon pile méfiance par rapport à comportement. Nous dit l'eau et fort. Nous, qui Jean, président privé, li mette ensemble avec Léopold Bel danger. Côté, vous voulez mettre en danger processus électoral là. Nous comprenons qu'il y a des zones sans deux voitures vraiment, il faut que vous réhabilitez. Famille Lavalas comprend souffrance peuple haïtien dans le niveau Grand Sud. Là. Mais Famille Lavalas tout, li dit élection doit faire total capital, pas qu'il y ait mosso élection, faut tout le monde. Inclus l'élection ça. Tout département doit inclus. Mais après dit, nous répétons encore. Nous connaissons effervescence ça. Fièvre électorale que Jean-Bertrand Aristide, tant qu'on Marvel dans notre dit, lui dit lui reconnaître, on réveille des masses lavalassiennes, des masses urbaines et rurales de ce pays, avec passage au niveau des 10 départements de ce pays, de Jean-Bertrand Aristide et de Maryse Narcisse. Jodi, famille Lavalas commençait suspect en pile. Cette histoire de voie est là 29 janvier. CEP a mandé pour réhabilitation centre de vote. Nous mandons président privé, vite et pressé, permettre que centre de vote soit mis sous pied pour le peuple haïtien. À travers tout pays qui t'a remercié, président Aristide. Mon ami, vous dit, c'est 30 ans, mais pendant 30 ans ça, dans 4 ans, la valasse fait avec Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, peuple haïtien à travers tout coin pays. Li dit livrer la valasse li parce que li wè ki quantité lycée li wè ki quantité logement sociaux les là passé li wè logement sociaux sur route 9 Onaville village orangé li wè la saline li wè ki ça que la valasse pote pour li jodi li dit li besoin à l'élection moi comprendre situation nous difficile même qu'on est peuple haïtien a souffri la permet que que Maryse Narcisse que famille la valasse à tout sénateur yo le 20 novembre on a fait le cap vous non mais n'a pas rappelé à monde qui a parlé de toute force doit mettre ensemble moi-même pas même moi-même que le président ici que le madame que le Maryse Narcisse que nous-mêmes là n'a parlé nous avons toujours priorisé cette approche mendélienne nous toujours connaît Maryse Narcisse président ici toujours dit d'ailleurs li pas comprendre que aujourd'hui on est capable de résoudre problème paysan pour contre lui. Alors, et ça ne perd pas dans longueur réconciliation. Si nous permettons. Naturel dans la si justice, nous voulons de cette approche mendélienne, accepter qu'une finale. Si on nous connaît, ou fait compte gagotou, pendant 5 dernières années, à l'argent Petro-Caribé, c'est nous-mêmes la valasse, nous avons gagné l'argent à l'emmène. Nous, à quantité lycée, l'école, route qui t'a construit, et vous dites, l'approche mendélienne, c'est où pour qui vient paraître là, et bien après, nous, c'est nous pas là-dedans. Famille Lavalas, mandé président privé, attention, nous ne pas comprendre ça qu'a fait là. C'est vrai, nous te permettre d'y accoucher comme président, mais nous pas accepter en quelle logique de prolongation. Merci, sénateur. Nous avons besoin d'élection, pas l'élection, sinon, merci. On va obliger de mettre clair en bas pour nous. Merci tout le monde. C'est là, on va mettre fin dans l'émission Moment Vérité jeudi. Hein. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Oh, la palais.com.